Yo! Allez, on est parti pour un épisode de Bad. Bah, comme vous pouvez voir des deux côtés, je rappelle, on est sur le live de Butters, hein, Monsieur Butters. Bienvenue à toi pour finir cette fin d'année. Salut, salut! Fin d'année 2020 assez particulière. Hein. On va parler, bah, comme on voit sur l'image de Butters ou la mienne, de Genshin Impact. Hein. Butters a été. Genshin Impacto. Je Ouais. trouve que tu as été un peu plus. Comment dire ça? Un peu plus. Tu as été à la truelle, j'ai envie de dire. Parce que toi, tu nous as mis un gros Genshin Impact avec les persos zoomés. Moi, j'ai été un petit peu plus. On reconnaît un peu le fond si on connaît, tu sais. J'ai mis safe, au moins que comme ça les gens ils voient le personnage féminin et masculin que tu peux choisir au début. Tu vois à peu près Ouais. les personnages typiques, genre Diluc et les autres. Et puis. Je sais même pas les noms. Si, il y a Barbara, c'est Si, Fischl à côté. y a Barbara. Non, c'est pas Fischl, c'est. C'est Mona, Je crois que c'est Mona. Lisa, Je crois que Mona. c'est Lisa ou Mona. Et. Et à droite, par contre, je vois pas qui c'est à côté de Diluc. C'est un nouveau qui va arriver. Je sais plus comment. Ah, c'est le prochain, oui. C'est le sauteur en fait. C'est le truc, c'est. Celui avec l'ascenseur là. Ouais, c'est ça. C'est Attends, je vais te donner son nom. quand tu. Albedo. Non, pas lui. C'est pas lui? Quand tu mets sa super à lui, il met son Ah non, masque Albedo, ouais, il est blond. et il saute. En fait, tu dois sauter et faire ton attaque. Et tu sais, ça fait une attaque piquée. Et Ouais, ça fait attaque plus de aérienne, dés. ouais. Ouais, et ben en fait, tu fais que ça. Sauter, taper, sauter, taper. Et il va faire sauter, piquer, sauter, piquer, sauter, Oh piquer, putain, oh sauter. le gameplay Pourri. de relou, Ah ouais, c'est ce que pourri. j'aime Et pas. lui, c'est un personnage qu'on voit dans l'histoire de Genshin Impact. Ok. Ah si, ouais, je me rappelle Oui, l'avoir c'est celui que rencontré, tu vois oui. dans la tour. Ouais, je Il me faut rappelle lui faire vaguement. un truc aux amandes, je sais pas trop quoi, du tofu aux amandes, il aime bien ça. Oh là là. Oh là là, les quêtes. Non, allez, on va commencer. Donc, bilan, ça fait 3 mois que le jeu est quasiment sorti jour pour jour. Hein, donc, on voulait en parler. On avait dit qu'on attendrait un minimum pour pouvoir avoir une idée vague de ce qui nous attend et de ce qu'on a traversé jusqu'ici. Ouais, Parce surtout que que. dans très peu de temps, Le 23 décembre. La Eh 1.2, bah c'est ça que tu veux dire? ouais c'est ça, il y a la point 2 qui va Juste sortir avant Noël. donc on arrive Il y très aura un bientôt nouveau quoi. perso. Enfin ça arrive très bientôt donc Nouvelle zone. bah il y a les nouveaux Attends. persos et Ouais, ouais non, c'est mais vrai qu'ils allons débloquent pas une plus. nouvelle zone. Mets pas la charrue devant les œufs, j'allais dire devant les bœufs, pardon. Mais allons déjà dans le sens. Prenons un fil conducteur et partons du départ. Oui. Parce que voilà, Genshin, enfin, j'ai du mal à le prononcer, je sais pas si tu as ce problème, mais Non, Genshin. j'ai toujours eu ce souci de mélanger le Gen et le Shin dans le nom, et je ne sais pas pourquoi, alors que c'est simple. Donc Genshin Impact, Shingen, ouais. sorti en septembre, donc on a un titre multi-support, crossplay. Vous le signalez, à part sur la PS4, à part si ça a changé depuis, parce que en fait il y a le système où tu peux reprendre ta partie grâce aux sauvegardes cloud, mais il me semble qu'à la sortie sur PS4 il n'y avait pas, alors je sais pas si ça a Alors, été rajouté entre temps. la cross-save, elle marche entre le PC et le mobile, Ça, hein. mais ça marche pas. Enfin, à ma dernière nouvelle, hein, ça marchait pas entre PC console, mobile console et les trucs Ouais, comme c'est ça. ce qui me semble. Normalement, c'était. Par contre, il n'y avait pas ce système. Donc, ouais, Et on est sur un jeu normalement, il est mobile. censé être cross-play. C'est-à-dire que si on a un ami sur PS4, enfin sur console, et Bah, un on peut ami parce que sur je t'ai PC, rajouté, donc oui. ouais. Ah oui, t'étais sur console quand tu m'as rajouté? Ouais, c'est ma version PS4. J'ai joué, de toute D'accord, façon, c'est ce qui est cool. on a J'ai joué la jamais, version PS4 on parce a que comme jamais tu as joué à essayé la de, version PC. on a jamais essayé de se rejoindre. Ouais, mais normalement, il n'y a pas de souci, ça Mais marche. normalement, Hein, ça et doit à marcher. partir du moment où tu peux ajouter, ça passe pas de problème. Mais justement, c'est ce que je trouvais cool, l'idée de faire ce petit bilan et finir l'année sur le jeu, peut-être qui a fait beaucoup parler de lui, je trouve, depuis sa sortie, mine de rien, pour un jeu de cette ampleur sortie presque de nulle part, parce que je pense que beaucoup de monde, à part quelques semaines avant,
Bah, tu leur aurais dit Genshin Ah Impact, ils t'auraient dit oui, non, mais ouais. effectivement, oui, il est crossplay, oui. Non, mais je confondais avec un autre jeu, je confondais avec Fall Ouais, non, Guys. le... Je, qui est Non, c'est Fall Guys, ouais, que la qui mise à sort jour doit ça, je arriver. crois. Je sais Enfin, pas ce sera pour quand, mais... on ne sait pas. Bah, l'autre jeu événement, justement, en Genshin. Parce que c'est vrai que Genshin est sorti bah, 3 mois après Fall Guys, qui a marqué l'été. Et on a enchaîné direct avec ça, un jeu Mais qui a fait le ouais. beaucoup de bruit. Mais le jeu du confinement, ça reste Animal Crossing. Mais bref. C'est pas faux. Ouais, non, je suis d'accord. Même si je l'ai pas fait. On Mais on est sur Genshin. On est s'égare. sur Genshin. On est sur Genshin. Donc Donc, un Genshin. jeu de miHoYo, un studio chinois aussi. Je pense que C'est c'est ça ça, ouais. qui surprend aussi le côté, l'impact qu'il a pu avoir sur cette année 2020, parce que c'est pas un studio Et occidental ou puis japonais. c'est pas un gacha comme on connaît en fait. Enfin, j'en ai pas fait des masses et des masses, mais les seuls que j'ai fait en fait, on pouvait pas se promener aussi librement dans la map. C'est ça, il n'y en a aucun qui ressemble à ça, parce qu'en fait, même s'il est considéré comme un gacha, c'est difficile de le mettre totalement en gacha, parce que je pense que c'est pas son essence même. Alors on en reviendra après quand on fera un peu, on comparera nos points de vue, mais moi c'est justement quelque chose qui m'a posé problème, c'est que je trouve ce côté un peu mis en retrait, Ah non, non, bah justement... ça reste du gacha parce que les trucs importants marchent avec Oui, non mais... une certaine. On va dire Ouais, mais le truc, c'est que tu peux faire le avec, jeu. avec des. Tu peux faire tes missions, des Tu peux missions, faire des trucs tout comme ça. le jeu sans utiliser les vœux ou les gachas, Mais quoi. quand tu dois faire des. Quand tu veux aller chercher du vrai loot dans des donjons ou des trucs comme ça, tu dois utiliser de la résine. Et la résine, quand t'en as plus. Faut attendre avec du temps ou payer avec Ouais, mais c'est voilà, c'est un des ou rares payer accès donc gacha qui est vraiment forcé un peu. c'est du gacha Tu vois quoi. ce que je veux dire? Mais tu peux te promener faire tes cartes de... Ouais en fait le seul truc c'est que ce Moi, je jeu-là trouve que ça ressemble plus à un jeu coréen de farm, vraiment les MMO presque, ce côté-là de farming. c'est une sorte de MMO ouais enfin pas vraiment MMO une sorte de aventure coop Ouais, c'est plus un action RPG coop, mais ouais c'est ça mais ça a l'essence un peu des. d'habitude t'as juste moi les gachas que j'ai fait t'as juste ton personnage tu fais vite fait tu fais des attaques des machins pendant des sur des donjons sur des machins mais t'as pas une liberté de mouvement tu à part peut-être certains tu peux pas te promener comme tu veux. Là, les personnages, tu te promènes, tu voles, tu récoltes des ressources par terre, tu tapes des monstres. Ouais, c'est un nouveau monde. Enfin, c'est un. J'avais. Et une extension de toute façon, on va finir par en parler J'ai parce jamais que. connu. Franchement, comme je le disais. J'ai jamais connu ça en gacha en fait. La Non, bah liberté de oui, le seul qui mouvement, s'en le rapprochait un truc, peu c'est. pour moi, c'est le Seven Deadly Sins, mais il n'y avait pas ce côté liberté. Mais c'est celui qui s'en rapprochait un peu dans l'idée, où dans les villages, par exemple, tu peux déplacer ton perso et aller voir les PNJ, tu peux aller dans des zones. Mais le problème, c'est Ouais, qu'après, mais tu auras là. des systèmes de TP de zone, quoi, un peu, pour vraiment aller dans les donjons, dans les trucs de combat. D'accord. Mais je pense que c'est le seul qui s'en rapprochait un tout petit peu, mais vraiment un tout Là, petit peu, attention. on a franchi un cap. Ouais, mais est-ce que finalement, c'est pas aussi. Comment dire ça? Est-ce que c'est pas non plus le problème qui peut rebuter la plupart des joueurs? Ah, une partie, pardon, des joueurs. Parle des joueurs casual, les joueurs Non, même des joueurs casus, moi je vais te le dire direct, je joue à ce jeu en mode casu. Je me connecte Non mais moi je te parle vraiment des casus qui pour jouent pas l'instant, spécialement aux jeux vidéo, tu vois. y a pas vraiment de. Ah oui, bah Parce que c'est un jeu qui demande un certain temps d'investissement quand même c'est en vrai termes que de quand c'est session. vrai que quand t'as un gacha, généralement tu peux le Gacha, tu tu passes tu l'as 5-10 minutes, tu l'as sur ton voilà. portable, tu le lances, tu regardes pas vraiment, tu lances ton combat et puis tu mets en auto, les mecs ils combattent en auto et puis tu farmes comme Là, t'es ça. obligé de jouer pour Là, jouer. t'es vraiment obligé de jouer. C'est vraiment un jeu vidéo.
Et ouais, effectivement, pardon, ça peut rebuter des joueurs qui sont full gacha, qui n'ont pas toute la journée. Oui, là-dessus, je suis d'accord avec toi. Attends, j'ai juste envie de dire un truc avant qu'on continue à se lancer vraiment dedans. C'est qu'on se rappelle un peu, qu'on revienne un peu en arrière, vraiment juste un peu avant. On est début septembre, je crois, juste un peu avant, peut-être 1 ou 2 semaines avant le lancement du jeu, pour que les gens comprennent, parce que je pense que quand ils vont nous écouter, ils n'auront pas cette impression. Et c'est ce que je trouve assez marrant, c'est que je me rappelle que quand je t'ai parlé du jeu un peu avant sa sortie, vu que moi ça faisait quelque temps que je suivais un petit peu qu'est-ce que ça pourrait donner ce jeu, j'attendais un peu le résultat. J'étais un minimum hypé, et toi je me rappelle que tu m'avais dit ouais, en gros aux F du jeu quoi, un peu. C'est vrai. Je m'en fous, ça m'intéresse pas trop. Alors que je pense que au fil des semaines après sa sortie, ça a été l'inverse. C'est toi qui as été happé par le jeu, et moi j'en ai été sorti. C'est vrai. Donc je J'étais pense que c'est ce j'ai quand côté-là qui quand va ressortir de quand notre j'ai vu débat. quand j'ai vu la news, on m'a parlé du jeu, j'ai vu vite fait tout ça. J'étais pas hypé, je me suis dit ouais, non. Ça vaut pas un gacha, tu te promènes machin, mais non, j'étais pas convaincu. J'ai essayé, et puis forcément, tu fais une quête, tu fais une deuxième, tu fais une troisième, tu continues, tu continues, tu continues, ça passe assez vite, et Justement, comme j'ai tu dis, bien on fait une aimé. quête, on fait une quête. On retrouve justement peut-être le découpage gacha ici, où comme c'est fait pour aussi jouer sur mobile, le jeu, les quêtes, t'as vu, je sais pas si t'as noté, mais les quêtes, elles sont souvent découpées par petites phases de quelques minutes. T'as jamais une longue quête qui dure un quart d'heure ou une demi-heure, par Oui, exemple. c'est oui, bah oui. Parce que forcément, c'est comme le jeu de base est prévu pour être sur mobile, bah, il faut que la personne puisse, bah, par exemple, se dire j'avance un peu dans ma quête, même si je joue 2 minutes, bah, j'ai avancé une partie de ma quête. Donc tu auras une vraie mission, par exemple, d'un jeu console que tu vas faire sur ta télé. Par exemple, si elle est en demi-heure, là, elle va être coupée en 5-6 parties. Donc même si tu es en train de parler à une personne et tu vas avoir une coupure, on va te dire, ah, il faut aller parler à lui alors qu'il est juste 3 pas à côté de toi en vrai. Alors que ça aurait pu continuer le dialogue dans la foulée, mais C'est non, vrai. comme il y a ce découpage Mais gacha. comme il y a, voilà, comme c'est un découpage gacha, ça veut dire que bah voilà, tu peux couper ton jeu à ce moment-là et puis éteindre ton Mais je enfin. pense que c'est ça, moi, qui m'a coupé dans l'élan de ce jeu, c'est que comme j'y jouais sur PS4, ça m'a un peu. Ouais. Ça m'a un peu stoppé, tu sais. En fait, j'ai trouvé un peu ennuyeux ce côté répétition, ce côté où on coupe tout par petits morceaux. J'ai un vrai problème avec ce côté, en fait, où bah, le jeu, même les donjons, tu sais, ils durent. J'ai l'impression d'être un peu dans Breath of the Wild, où les donjons secondaires, t'as des petits trucs qui sont quand même à ce niveau-là, beaucoup plus compliqués, hein, parce qu'il faut, ça te demande à réfléchir quand même, donc ils vont te prendre peut-être même un peu plus de temps selon si tu as la logique ou pas de suite. Mais il y a ce petit côté des donjons secondaires de Breath of the Wild, que quand tu explores, tu tombes dessus, tu rentres dedans, tu as un petit truc, voilà, comme je disais, qui dure vraiment à peine quelques minutes, après tu prends le trésor, tu ressors, et tu continues de vaquer à tes occupations. Et là, bah justement, j'ai trouvé que bah, les donjons, il y a ce côté-là, et ça m'a dérangé parce que bah, je retrouve pas le plaisir. Je me dis, ouais, je viens pour un donjon qui fait 5 minutes, même pas, et bah, je trouve ça ennuyant parce que j'ai l'impression que. Bah, parce que comme c'est pas toi qui peux doser la difficulté, le jeu, bah, tant que t'as pas de level d'aventure, faut que tu aies des requis, tu sais, faut que tu aies des prérequis, pardon, pour que tu puisses y accéder, donc même si tu veux te mettre une difficulté au-dessus, t'es obligé d'attendre d'avoir les prérequis. Oui. Et c'est un peu aussi le côté, je pense, gacha, parce que le côté gacha fait que, bah, comme dans le jeu, il y a comment dire, le système de niveau d'aventure, donc qui est indépendant du niveau des personnages. Je sais pas comment on pourrait comparer ça dans d'autres jeux, le niveau d'aventure. J'arrive pas justement à me dire qu'est-ce que ça peut être. Ça peut être. Bah c'est ton level en fait, tout con. Si tu regardes dans Dragon Ball Ouais, c'est le level de joueur, dans Dragon Ball Legend, le rang. T'as ton level de joueur et t'as ton. Après, c'est à toi Ouais, de voilà, monter c'est les ça, ce levels des sera un peu. persos. Voilà, t'as les levels des persos. Et t'as ton level Et de donc, en joueur. gros, ouais, le level joueur.
Et j'avoue que ça me pose problème parce que ça peut devenir super long si t'as pas envie de te motiver. Bah, quelqu'un, comme je disais, qui va jouer vraiment par petites sessions, le problème, par exemple, débloquer le multi, arriver au rang 16, ça peut devenir une éternité finalement. Ça peut aller très vite si tu suis un truc, un petit guide, un petit truc qui va te dire comment maxer ton temps. Mais Bah finalement, est-ce que après, ça casse pas un si peu tu veux jouer avec des l'esprit potes, du des jeu? machins, ton but c'est de rusher le. Parce que oui, Bah, c'est ça le problème. Ouais, mais on peut c'est. jouer avec des amis, mais à partir d'un certain niveau Le rang 16, d'aventure. ouais. Je me Donc rappelle le bien. niveau 16, et donc tu rushes jusqu'au niveau 16, et arrivé au niveau 16, tu peux demander à tes amis de venir, et là, à ce moment-là, tu peux faire des donjons, des quêtes en commun, enfin des quêtes. Enfin, tu peux rejoindre quelqu'un sur sa quête ou des trucs comme ça, donc farmer les ressources. Mais oui, effectivement, je. Moi, c'est un peu ce côté-là en fait qui m'a cassé, c'est que les donjons, bah, j'ai trouvé ça malheureusement d'un ennui mortel. Parce que limite, tu vois, alors on n'en a pas parlé, mais Genshin Impact, on sent l'essence Breath of the Wild comme on Ouais. l'a cité juste avant. Mais j'ai envie de dire maintenant qu'il est sorti, putain, je suis en train de perdre ma gorge. Je trouve qu'il y a un peu aussi de The Immortal Phoenix. Je sais pas si je le dis correctement, Oui, mais je crois que c'est ça. Ouais, c'est c'est ça, Immortal Rising, à la Phoenix fin. Rising. Ok, c'est bon. Donc, mais finalement, tu vois, même si je suis pas forcément client de Phoenix, mais je trouve le, au final, je trouve quand je t'ai regardé, vu que tu le fais en live, eh ben, je trouve le jeu plus attirant par sa conception, par son fil conducteur, par ses donjons quand même qui sont un peu plus avancés. Même si je te disais la première fois que je t'avais vu jouer en live, donc c'était ta deuxième fois, les donjons, c'est vrai que bah, ça a l'air des fois un peu bidon parce que bah ouais, t'as la logique, donc c'est comme dans Breath of the Wild. C'est Si t'as ça. la logique, malheureusement, ça baisse tout de suite le niveau de la difficulté. Le donjon, il pourra paraître plus dur à une personne, mais plus simple pour une autre, selon la logique que tu as et la vision des choses aussi, comment tu arbores le donjon, en fait, quoi, la globalité, l'ensemble, comment tu regardes ça, bah ça peut changer ce que tu ressens et ce que les solutions qui s'offrent à toi. Et c'est vrai que bah pardon, je te voyais jouer, et des fois, bah pardon, tu sais le truc où il faut passer sur certaines les interrupteurs au sol, et si c'est bon, c'est blanc avec le petit bruit, et si il faut faire dans l'ordre chronologique, et si le deuxième est pas bon, t'as vu, il passe rouge. Donc ça te reset et tu dois recommencer. Souvent, tu as des indices sur les murs ou sur des trucs comme ça. Et si chacun n'aura pas le même regard et va pas interpréter forcément les mêmes choses, donc bah, je trouve que c'est plus là peut-être où il a un peu de mal peut-être Ouais, comme la à dernière pouvoir fois, rappeler tout ouais, le comme monde. j'étais en train de Des fois, c'est faire pas le toujours évident. j'étais en train de faire le l'énigme comme ça, alors que j'avais pas levé ma tête et c'était affiché Ouais, juste non mais devant des moi, quoi. fois, ben oui, un truc tout con des fois. Mais je trouve que dans Genshin, on perd ce côté de profondeur où on essaye quand même d'aller toujours au plus simple. Et à force d'aller au trop simple, bah, je trouve que le jeu, moi, m'a perdu en route là-dessus. Autant j'aime bien l'exploration, mais l'exploration, au bout d'un moment, bah, je t'avoue que ça me gonfle un peu quand même, parce que juste ramasser des trucs au sol, taper les monstres que je croise, et visiter une fois que tu as fait un peu le tour, le problème c'est que c'est toujours la même chose. C'est juste qu'après le décor va changer, la zone change. Même tu vois l'arrivée de la nouvelle zone dans la 1.2, comme tu disais au tout début, ça me hype pas forcément parce que bah, j'ai tellement lâché le jeu en cours de route depuis maintenant, je dirais presque 2 semaines, que ça me hype pas parce que même le côté à chaque fois nouveau perso, ça me hype pas non plus parce que je me dis que finalement les persos c'est pareil. Tu vois ce côté gacha, mais je trouve que le jeu. Il te bloque un peu parce que c'est bien de rajouter tout le temps des nouveaux persos, mais le problème c'est que même en ayant fait, allez, depuis le début du jeu, quand même en 3 mois, j'ai fait, allez, je dirais 10, 15 invoques en multi, j'ai eu un seul 5 étoiles quand même. Je me dis quelque part, il y a un problème dans un gacha où le taux de drop déjà est. Ce qui fait que bah, déjà tout ce qui est nouveau perso, pour moi, c'est devenu secondaire, j'en ai plus rien à foutre. Ça me pose un gros problème parce que je me dis que bah, finalement. Je vois pas l'intérêt parce que s'il faut que je prie le ciel et que je fasse 50 multi, si j'ai pas de chance, j'en aurai pas. Bah, je préfère jouer avec mes persos de base. Au moins, c'est des persos peut-être pétés d'origine qui seront dans les tier list tout en bas.
Mais eux, au moins, j'ai une chance de finir leur constellation, tu vois. Oui. Donc, pour ceux qui ne savent pas, les constellations, c'est un peu les doublons que tu balances, en fait, pour faire monter un niveau qui va t'apporter un passif selon le perso. Donc, qui va t'augmenter une capacité passive. Donc, soit un pourcentage de dégâts, soit une réduction de cooldown, ce genre de petites choses. Qui sont certes pas forcément utiles, je pense. Hein, après, je ne sais pas, mais tu vois, c'est pareil, le loot. Moi, j'ai jamais vu de légendaire ou tout comme ça, et je vois tomber que du vert ou du bleu, du 2, 3 étoiles. Donc je me dis, Ah le bah loot, c'est pareil quand. si tu veux du légendaire, il faut aller dans les donjons qui proposent du légendaire. Hein. Ouais, mais tu vois, j'ai l'impression de jouer un Diablo, quoi, quand je suis à ce niveau-là. Et c'est pas du tout ce que je recherche dans le genre de jeu, de me dire, il faut que je fasse 50 fois le même donjon, hein, qui dure 5 minutes et qui me gonfle. Déjà, le problème, c'est que le donjon, il m'a pas hypé la première fois, alors le faire 50 fois, je Ah me dis, c'est bah problématique. et encore, là tu dis juste ça parce que c'est pour choper ton loot. Moi j'ai été faire du donjon pour essayer de choper un loot précis. J'ai chopé le loot, mais par contre, bah ça me sert à rien parce que Pas les bonnes stats dessus. les stats qui sont dessus ne sont pas bonnes. Et il faut que je Ouais. recommence Ouais, mais tu vois, c'est et ça le encore problème du pour jeu, c'est rechoper que je le trouve loot que. qui a avec une bonne stat dessus, la stat qu'il me faut en fait. En fait, je me dis que je vais perdre beaucoup de temps pour rien au final, et bah ça me dérange Bah, parce que c'est du temps que je consacrerai pas à un autre jeu. ouais, mais En fait, moi, le c'est ça le problème, le gacha en ratio quand fait. je joue à un gacha, ouais, mais le gacha, pour moi, c'est ça. C'est que si je perds plus de temps pour rien que pour avancer dans le jeu, bah, entre guillemets, moi je me dis ça me sort du jeu et ça m'intéresse pas. Tu vois, j'ai le même Oui. problème par exemple avec Seven Deadly Sins où j'ai commencé cet été, je voulais tester, j'étais curieux, parce que justement c'est la façon de jouer qui se rapprochait le plus de Genshin, mais en moins évolué comme je disais. Mais c'est pareil, le jeu il a 6 mois, mais le jeu il t'a déjà perdu dans 1 milliard de fonctions. Parce que je veux dire, le jeu vient seulement d'arriver, mais déjà t'as quasiment un portail toutes les semaines, donc on te noie en fait de trucs, de nouveautés, alors c'est cool. Mais pour moi, un gacha, ça doit pas être le truc, quand il vient de sortir, on ne balance pas toutes les cartes. C'est comme si tu jouais un jeu de cartes et tu balances toutes tes bonnes cartes tout de suite, tu sais, qu'on noie le joueur là-dessous. Et bah, au bout d'un moment, moi, ça me perd, et même si je vois que c'est pas compliqué, mais ça me gonfle parce que je me dis, bah ouais, on est déjà à un stade où il faut que je farme pareil à la chance des donjons pour avoir de l'équipement. Le truc dont au final je me fous royal, tu vois, par exemple, si je prends un Dokkan, j'ai pas besoin de faire tout ça, ça va venir dans le temps. Tu vois, même si j'ai pas envie de farmer comme un porc, il n'y a rien qui m'oblige à le faire parce que je sais que dans le temps, le jeu me récompensera quand même. Il va récompenser ma patience. Si je joue un jeu comme AFK Arena, tu vois, tu as les gens qui vont rusher, qui vont monter leur perso, parce qu'il y a un système de rang où tu fusionnes tes persos. Et donc, tu vas avoir les trucs de base, tu vas avoir l'élite, l'élite plus, légendaire, légendaire plus, mythique, etc. Mais en fait, le jeu va te laisser ton droit de y aller tranquille, de prendre ton temps, te dire de toute façon, bah. C'est toi que ça regarde. Moi, je fais juste par exemple mes petites coties. Ça me prend un quart d'heure par jour, peut-être. Si certains jours, j'ai envie de passer un peu plus de temps et faire d'autres trucs, voilà, les events qu'ils mettent, j'y vais. Mais ça me. En fait, ce que je ressens, c'est que le jeu va pas me carotter dans un sens. Il va pas me dire, à toi, t'as envie de jouer comme ça. Eh ben, je suis d'accord avec toi, donc je te laisse, mais tu monteras moins vite que les autres. Alors que dans un jeu comme Genshin ou comme un Seven Deadly Sins, bah le problème c'est que si tu décides de jouer comme ça en te disant j'ai pas envie d'investir parce que de toute façon j'ai d'autres gachas, j'ai d'autres jeux à côté, j'ai envie de faire d'autres choses, bah le problème c'est qu'il va te dire bah non, bah si tu farmes pas c'est mort, soit tu finis le jeu avec les persos de base limite ou tu montes tes levels, tu fais tes trucs simplement et bah t'auras pas toute l'expérience du jeu malheureusement. Et si tu veux des trucs en plus, en fait, il y a une trop grosse part de chance qui va influer là-dessus. Et sinon, il faudra la convertir par le farm. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais. Au fait, on a oublié de préciser une chose. Sur Genshin Impact, nous sommes des free-to-play. Hein. On n'a pas Ah payé. oui. Ah bah, je t'avoue que je paierais pas pour un jeu comme On ça, n'a jamais justement. Je mis préfère un. on a jamais mis d'argent dans le jeu. Hein.
Oui, En non, règle mais de générale, toute quand je. façon, moi je mets pas d'argent dans ce genre de jeu. Moi aussi, c'est pareil. Non. En règle générale, quand Mais je fais un c'est. gacha, je mets pas d'argent. Je joue. On en avait parlé hein, dans l'épisode le pack spécial gacha, C'est justement, vrai. tu vois. Je découvre les. Quand je découvre un gacha, je le découvre toujours en mode gratuit pour voir ce qui peut apporter. Ce qui est, pour voir la différence entre un gacha qui veut vraiment ton pognon et que où t'es vraiment peut-être obligé d'acheter pour avancer et ceux qui même si tu payes pas tu peux avancer. Bah là, ça va, on n'est pas rentré dans ces travers, hein, je pense. Hein. Toi qui es bien avancé, tu me l'avais dit que ça allait, quoi, il n'y avait pas de souci à ce niveau-là. Parce que certains ont eu la barrière, ceux qui ont vraiment rushé les premières semaines. Par contre, il y en a qui ont atteint Tartaglia, par la exemple, moi 30e. j'ai eu la chance de l'avoir. J'ai fait une multi. Donc c'est T'as eu doublon direct, une toi? multi, c'est 10. J'ai 10 persos. payé pour Pas avoir 10, pas 10 persos, parce que ça peut être des items. 10. Comment on appelle ça? De 10 invocations 10 d'un coup. voilà, On c'est a 10 le invoques. portail. Dans le portail, soit vous payez pour faire des invocations uniques. Ou soit vous payez, vous rassemblez les invocations uniques en 10. Et vous payez et vous en avez 10 d'un coup. Et c'est ce qu'on appelle les multis. Donc moi j'ai fait une multi sur Tartaglia ou Child, comme vous voulez. Et c'était sur le nouveau portail. Pas celui-là, mais celui d'avant. Et je l'ai eu du premier coup. J'en ai dans ma multi, je l'ai eu deux fois lui. Et deux fois le deuxième personnage qui s'appelait. Le deuxième c'est Quickwi, non, dans celui-là, je sais plus. Non, c'est pas Chichi, c'est. C'est lequel? Je ne sais plus lequel était avec. C'est celle avec son chapeau. Ah oui, c'est la petite C'est. archère. Non, pas c'est pas Clé. C'est l'autre. Non, non, Clay, c'était avant. C'est la glace. C'est Quickwi. Oui, Non, c'est non. elle, non? C'est pas elle qui était? Et Kukui, c'est pas Kukui. En fait, ça se dit Ah, Chichi. c'est pas Zingui? C'est Jonah. Jonah. Ah non, Jonah, C'est oui, c'était la Jonah. petite chat. Oui, c'est ça, la petite chat avec sa bulle en forme de chat, là, de C'est tête de ça. chat. Et donc, Ça, super. elle aussi, je l'ai eu deux fois. Dans la même multi, hein, j'en ai fait qu'une, voilà. Et dans le nouveau Voilà. portail Moi, j'en ai fait qui. trois. Attends, Ah pour oui. comparatif, pour montrer à quel point la chance, elle a rien à voir. Moi, j'en ai fait trois, j'ai eu deux Jonah. Mais il m'a fallu trois multi. Ouais, et Et sachant que mon dernier, c'était Diluc. Hein. alors que tout le monde disait ouais Tartaglia il est génial machin et tout ça, moi je l'aime pas ce perso, donc je le voulais pas et je l'ai eu. J'attendais le deuxième 5 étoiles qui est la bannière qui est là actuellement, qui est Zhongli. Bah, je l'ai toujours pas eu alors que j'ai dû faire 4 ou 5 multis. Mais c'est ça le problème un peu de ce jeu, c'est que malheureusement dans ce jeu, bah, on est en système d'étoiles et pas en SSR ou UR ou SR, les trucs souvent basiques de la plupart des gachas, donc c'est un peu dur à comparer. Mais comme la plupart du temps en plus, tu as très peu de persos parce que tu as beaucoup d'équipements qui vont dans les multis, je pense que le problème de ce jeu aussi, c'est là, il est là en fait. Je pense que pour moi, le problème, c'est que c'est de l'équipement qui va servir à rien souvent, de toute façon, ce sera soit pour être détruit si tu as les persos déjà avancés avec leurs armes avancées. Parce que la plupart du temps, ça va resservir à la reforge pour améliorer d'autres aspects de ton perso. Mais justement, la plupart du temps, en fait, tu vas tirer. Franchement, moi, malheureusement, j'ai souvent vu que je sortais qu'un seul perso. C'est très rare que j'ai eu deux persos. Ça a été vraiment exceptionnel. Je crois que la seule fois, c'est peut-être quand j'ai eu Diluc, donc j'ai eu un 5 étoiles et un 4 étoiles. Ça a peut-être été la rare occasion. Mais quand tu te dis quand même que c'est sur pas loin de allez, 10, 20 multi depuis que le jeu est sorti dans 3 mois, c'est Diluc, très peu, je trouve. c'est un personnage qu'on peut choper de Day One. Oui, sachant que oui, en plus il est là depuis la sortie déjà, Tu sais que depuis des mois je l'ai après. toujours pas. Ouais, mais ça, oui, c'est ça qui est. C'est un Ça, des meilleurs. après, le jeu il est récent. Enfin, je l'utilise beaucoup, moi. C'est un des 5 étoiles. Un personnage 5 étoiles main DPS. Ah, bah il est God tier, lui. Hein. Feu et tout. Je l'ai toujours pas eu. Bah moi je me dis je suis content de l'avoir eu parce que ça me dépanne en feu, ouais. Mais
Mais le problème, c'est que tu n'as qu'un perso comme ça qui sort de temps en temps. C'est un peu dommage, quoi, parce que c'est même pas ça. Après, tu sais, c'est le côté parce que tu as besoin. On n'a pas dit, mais le jeu, comme un peu Breath of the Wild, les éléments sont assez importants parce qu'on peut faire un système de combo, on peut faire un système où ça va interagir avec les éléments. Donc l'herbe ou les trucs comme ça, ou l'eau par exemple pour glacer. Il y a tout ce système-là qui est impacté dedans. Mais malheureusement, c'est pas toi. Vu que toi, on te donne juste certains persos d'origine qui sont au fil de l'histoire. Si tu cherches quelque chose dans un type d'élément qui sera en plus raccord à ta façon de jouer, plus un perso si possible qui tient la route, ça devient vite compliqué quand même. Parce que des persos qui sont là depuis le début sans être des rangs S, moi je pense à Fischl, je pense à Jean. Par exemple, Krasor, tu vois, je viens seulement de l'avoir. Je l'ai qu'en un exemplaire, pourtant il est là depuis le début. Et c'est qu'un 4 étoiles. Imagine que ma dernière multi. J'ai toujours pas lui non plus. Hein. T'imagines, moi, ma dernière multi, je me suis dit, allez, je retente quand même, il va bien me sortir un 5 étoiles le jeu. Je me dis que c'est pas possible. C'est pas possible, dans tous les gachas que je joue, je finis par sortir des cartes au bout de. Si je fais 5 ou 10 invocs, je suis obligé de sortir. Dans Dokkan, je veux dire, ce matin par exemple, j'ai fait une multi, sachant que j'ai fait plusieurs multi sur le portail Heroes parce que je suis un gros fan d'Heroes. Alors, il y avait vedette garantie. Donc vedette garantie, c'est que tu as un perso bannière à chaque fois de garantie. Sur la globale, tu avais ça. Donc j'ai sorti que des multi vraiment pété. C'est obligatoire. Je me suis dit, ouais, ça va un peu niquer mes chances. Le portail, bon, j'ai dû arrêter pendant 1 à 2 semaines sans invoque, donc, mais j'avais fait 5 ou 6 multi dessus, donc j'ai sorti pas mal, j'ai sorti toutes les cartes de la bannière, avec des doublons en plus. Et je suis arrivé ce matin, par exemple, je sors le nouveau LR, comment il s'appelle déjà? C'est le Gohan SSJ2 que tout le monde parle en ce moment. Tu sais que Celui du film BoJack. tu sais que Hero c'est bah comme j'avais pas réussi à installer j'avais un souci pour installer comment il s'appelle Dokkan donc Ouais. je pouvais que sortir les ah non c'est toi tu parles de Hero. Heroes dans Dokkan. Il y avait en fait souvent tous les ans tu as un portail Ah qui oui, est comme ça toi, d'accord, toi tu parlais de là c'était les Dokkan. 10 ans Ok. cette année. Là, c'est parce que moi je croyais que t'étais sur Légende. Non, bah un jeu que j'ai jamais touché parce que pareil je pense que c'est plus le gameplay, le côté PVP qui m'intéresse pas plus que ça. Tu vois, je pense que le gacha justement c'est assez compliqué parce que en plus de trouver son genre avec un univers qui va t'intéresser, il faut qu'il y ait une alchimie entre toi et le jeu pour que ça t'intéresse par rapport à ta façon de jouer. À ta façon où tu vas aborder le jeu. Je pense que ça se retrouve dans le choix des jeux derrière. Toi, je m'éclate plus dans un Dokkan ou un FK Arena où je peux venir une fois de temps en temps, même si je viens tous les jours juste prendre mes cadeaux et que bah, j'ai pas envie de jouer à certaines périodes, je me dis c'est pas grave. Je me dis bah, je me rattraperai la prochaine fois et je m'en fous tant que mes Bah, missions, généralement, mes missions, j'ai 15 jours pour les faire. le truc de Genshin, c'est que j'aime bien en fait l'histoire. C'est pas mal. L'histoire, elle est Ouais, pas mais j'ai mal. pas. Les cinématiques sont magnifiques et tout ça. Et donc, Je trouve le jeu beau aussi, mais j'ai du mal à accrocher à l'histoire, c'est moi. ça qui me fait continuer. Hors histoire, parce qu'il n'y en a pas tout le temps. Une fois qu'on a fini, faut attendre des mises à jour ou des machins. Oui. Je me fais chier. Oui, c'est vrai que je me fais chier. En plus, il n'y a pas tout le temps d'événements. Là, en ce moment, il y a une sorte de. Comment on peut appeler ça? Mini événement où tu joues au livreur de nourriture Oui, c'est les trucs de la bouffe en ce avec moment. des contraintes. C'est pas top. Ça fait gagner Sais de la même plus monnaie c'est les de, quêtes de Amber, ça? ça Ou c'est qui fait fait? non c'est des restaurants qui tu vois t'as le restaurant de Mondstadt qui tu dois livrer un truc. Ah oui, T'as c'est les restos. le Ça, j'ai tellement restaurant pas été voir. le restaurant de la tour et t'as le restaurant de l'IUE qui te fait un truc. Ouais, mais c'est ça, Mais c'est que les quêtes, en fait, moi je elles l'ai sont tellement fait. Je basiques. fais ça et je fais mes quêtes journalières juste pour avoir la monnaie du jeu. Oui, Pour économiser, les primos. Ouais, mais tu vois, c'est pareil, les pour quêtes, faire les les petites portails en quêtes. fait.
Les quêtes quotidiennes, c'est tout le temps la même chose, quoi. Moi, je les ai fait, alors sans déconner, je les ai fait pendant au moins 2-3 semaines, une fois que j'ai atteint le rang. J'ai fait pendant 2-3 semaines, au bout d'un moment, j'en avais marre. Ça me prenait. C'est pas super long, ça prend moins d'une demi-heure, sans déconner. Ah ouais, bah, C'est bon, généralement en je faisant des joue petits trucs un le peu à jeu, je côté. le lance, je joue moins d'une heure, je dirais. Ouais, mais tu vois, ça me fait chier parce que comme je dois prendre par exemple une demi-heure, bah, je me dis pendant ce temps-là, dans cette demi-heure, bah, il faut que je fasse un choix à un moment donné. Soit je fais mes quêtes ou soit je vais avancer dans l'histoire. Ah bah, Et donc, oui, c'est parce que tu vois moi ce que je veux dire? c'est parce que moi comparé à toi, c'est que moi j'ai Toi, plus t'avais rushé avant? j'ai plus de quêtes, toutes les histoires, Bah oui, c'est toute la ça. quête histoire pour moi elle est finie pour l'instant. Et Ouais, mais. Bah, tu vois, justement, moi, maintenant j'ai moi j'ai plus préféré rien, aller j'ai que les quêtes, explorer. j'ai que les quêtes journalières à faire. Si j'ai une sorte de pseudo quête histoire basée sur Zhongli que je dois faire, j'ai toujours pas faite. Mais comme j'ai vu dans les récompenses, ça m'apporte pas de primogemme. J'ai dit ouais c'est bon, j'en ferai plus tard. Et Bah tiens, en parlant des primos, justement, je trouve le jeu aussi un peu radin par rapport à ça. Par rapport à ce que ça demande de t'investir, je trouve qu'en primo, bah, il nous en ce que donne tu beaucoup, gagnes. il nous en donne tout, il nous en donne souvent. Même miYoYo nous dit toujours dans les messages. Bah souvent, j'irai pas jusque-là parce Merci que pour des pendant. trucs ou quoi que ce soit, je sais pas pourquoi il nous remercie, mais souvent il nous Bah c'est quand il y remercie a des events. et il nous donne des. Non, en ce moment tous les jours il nous remercie une fois et Oui, mais parce qu'il y avait déjà les Game merci Awards, de les trucs comme ça merci au Game la semaine Awards, passée. merci de jouer au jeu, merci des trucs comme ça. C'est pour ça. Il nous donne des primos, bon il nous en donne pas beaucoup, Ouais, mais c'est on pas. peut pas faire une Est-ce qu'il. single. Les primos, il t'en faut quand même 1600, hein, quand même. Pour faire une Pour faire multi. une multi à 10. Voilà, Pas c'est quand une. même. Oui, mais c'est Tu vois, par 160. rapport à Ah, ce qu'il te quoique si, donne, je trouve que c'est pas il nous ouf. en donne 200, donc tous les jours on peut faire une multi. Enfin, tous les jours on peut faire une single, pardon. Mais. Tous les jours, je dirais pas tous les jours. Bah, si, tous les jours il nous en donne Ça 200 pour dépend de ta l'instant. façon. Ouais, mais pour Dans les l'instant. Mais messages. pendant un moment, c'était mort, Sinon, il n'y avait pas de pour les dons. quêtes journalières, on touche 2, 4, 6. Attends, non, c'est. Je sais plus, je crois que c'est 20 par quête. 10 à 20, non, selon la quête, je crois. Je crois que c'est ça, et après Ouais, t'en gagnes moins de 100, il nous quoi. donne T'en gagnes allez, 40. 100 à tout péter On par les cotis. peut pas faire une multi. Et puis avec. On peut même pas faire une single, je crois, par jour. Ouais, je veux dire par rapport à ce qu'il faut rentrer dedans, comment dire, le fait de devoir s'investir, parce que comme je disais, c'est quand même un quart d'heure, une demi-heure pour faire juste moins de 100 primos, donc même pas une single. Tu te dis, s'il faut que je fasse ça pendant 10 jours, les quêtes répétitives à mort, parce que tu finis tout le temps par retomber un peu sur le même genre de Oui, quête de toute façon c'est assez vrai rapidement. qu'au bout d'un moment, tu retombes sur les mêmes. Parce que Ouais, ils en c'est ont, ça je sais qui est pas, dommage, ils en c'est ont une que. vingtaine ou une trentaine, mais ça tourne. Mais Moi, je t'avoue, le jeu m'a perdu là-dessus. ouais, J'ai discuté justement sur Twitter il y a moi je te y a pas si longtemps dis, que ça. je fais même pas les donjons ni rien. Bah, déjà, je suis tout seul, j'ai pas vraiment d'amis. Et encore, je peux faire les donjons pour avoir du stuff et tout ça. Mais pour l'instant, j'ai pas de bonhomme qui veulent le coup. Je peux. Si, j'ai du 5 étoiles, j'ai. Ouais, mais Enfin, tu vois, même là, on sent qu'il y a un petit j'ai du 5 problème quand étoiles même et dans j'ai la du façon rang de S. Hein. penser. J'ai Tartaglia, mais Tartaglia, il est toujours niveau 1, j'ai toujours pas monté. Alors qu'il est un très bon perso. Mona, je crois que je l'ai pas. J'ai pas Clay, j'ai pas Diluc, j'ai pas Bennett, j'ai pas Chichi, j'ai pas Venti. Xiangqiu, je l'ai pas non plus. Non, dans les A, sinon après j'ai du A, mais. Ah bah moi j'ai beaucoup de A. Mais mon main DPS, c'est Je vais pas te mentir. mon main DPS, c'est un B, par exemple. Quoique. Oh. Non, j'en ai pas tant que ça du A, j'en ai 3, donc moi j'ai beaucoup de B en vrai. Surtout, je pense. Et encore, non, même pas. C'est ça, on te les Moi, donne. mon équipe, c'est Beidou en main DPS qui est B. J'ai qui encore? J'ai Fischl en support DPS qui est A. Que je regarde vite fait. J'ai Xiangling qui est un support DPS qui est A. Et j'ai Barbara qui est mon healer Bah, healeuse. qui est B.
J'ai 2 B2A. Dans Oh, mon bah. équipe type, hein. Je Après, pense que tu as une meilleure moyenne que moi, parce que apparemment S diluc. j'ai du S, bah tu vois, Moi, j'aurais je bien joue voulu du avoir BAD diluc, tu après. vois. Parce que moi, Oui. je joue encore mon perso principal, l'avatar, Ah le non, moi voyageur, je ah oui pour non te moi je dire. et tu l'as à quoi? Tu l'as en vent ou en terre? Je l'ai remis vent il n'y a pas Tu longtemps. l'as remis vent? Et Ouais, parce que j'aime bien pour combo Ouais. avec Non mais les autres moi, trucs. c'est vrai que d'habitude l'avatar, il peut être bien, mais généralement les avatars durent pas longtemps quoi. Tu l'as au début, Un peu comme Heroes, tu joues jamais la carte Avatar. bah Heroes, oui, bah comme Legend, le bonhomme avatar, il est bien, mais il est pas assez haut level quoi. Bah, Enfin, y a toujours mieux. il monte pas assez. La dernière fois que j'ai Ah joué bah, à quand tu DB vois qu'il est Legend, rancé dans la top list, dans la tier ah bah oui, list, ça bah te donne pas envie de le garder. la dernière fois que j'ai joué à Legend, il venait de passer dans l'histoire, il venait de passer quand j'ai joué pour la dernière fois. Il venait de passer Super Saiyan 1. Je sais plus, ça a beaucoup évolué depuis, je crois. Oui, non mais il venait de passer Super Saiyan 1 Ouais. alors que Bah, c'était très décalé. j'avais déjà des Sangoku God ou des trucs comme ça. Donc Bah oui, forcément, la carte, tu lui dis va-t'en. tu dis bon bah t'es gentil Michel, mais tu tapes pas assez fort quoi. Ah, c'est un peu le problème, hein, c'est que les persos, soit ils sont pétés, soit ils sont pétés. Dans les deux sens du terme. Oui, oui, soit ils sont cheatés, Soit soit ils il est sont pétés. broken parce que bah, il te sert à rien, il va se faire déboîter, soit il est broken et bah, c'est lui qu'il faut avoir. Et en espérant en avoir plusieurs pour monter justement le truc de constellation, espérer avoir le stuff qui va avec pour le monter. Sachant qu'il te faudra des items, parce qu'en plus, tu as un système un peu comme les rangs dans les gachas, où par exemple, si tu veux passer de SR à SSR, il faudra des médailles d'éveil pour le passer au-dessus, de SSR à UR, voilà, ainsi de suite. Ouais, Et que ouais. plus le rang il est important, et plus ce sera des items rares, ça peut vite devenir problématique, quoi. Et je Ouais. trouve que c'est dommage parce que j'aime bien que les gens me répètent, par exemple, ouais, mais le jeu, tu peux le finir avec les jeux de base, avec les persos de base, pardon. Mais est-ce que tu es venu ici pour jouer en te disant, bah ouais, mais je vais jouer juste avec les jeux de base? Si c'est juste pour faire l'histoire, me dire je joue avec les persos de base, c'est quoi l'intérêt? J'achète un Breath of the Wild ou j'achète, tu vois, Immortal, un jeu comme Immortal ça, Phoenix complet et Rising, t'as fini, un où on perso, t'as pas m'impose, voilà, on de. Et m'impose le perso puis. et je vais faire le jeu, c'est pareil. Et. Je vais. Ouais, et c'est même mieux parce que. Bon, il faut monter tes persos, mais généralement ton. Dans Phoenix Bah, tu feras. Rising, par exemple, il a même pas de level ton perso. C'est juste tu améliores son stuff. Enfin, le level de son stuff. Sinon, t'as même pas de stuff. On te dit si tu peux choper, si tu chopes quelques armures, Si, t'as des pièces des d'armure, pièces d'armure machin, mais c'est pas tu vas pas dire tiens je vais choper elle parce qu'elle est légendaire, contrairement ouais. Ouais, mais à mon le stuff problème de début. d'Immortal Phoenix, je pense que. Mine de rien, c'est pas que ils ont pas voulu faire les choses, c'est qu'ils ont pas voulu compliquer les choses pour se garder d'un côté un certain public un peu plus jeune, Oh, comme tu complètement, disais, parce que c'est complètement. un peu ton premier Assassin's Creed, si C'est on peut ça. l'appeler comme Ça, ça. c'est un mélange entre assassin. C'est mon premier assassin, on va dire. Enfin, je parle si vous êtes un enfant qui n'a pas l'âge de jouer à Assassin's Creed. C'est ton premier Oui, Assassin's et puis Creed, si t'as pas joué à beaucoup de et jeux parce que aussi. c'est les mecs qui ont fait Odyssey, et c'est. Si t'as jamais joué, c'est ton. Si t'as pas la Switch, bah c'est ton Zelda de. C'est ton Zelda sur PC, quoi. Et tu vois, Genshin, ils ont voulu prendre aussi ce côté-là, mais dans Genshin, ils ont pas. Comment dire ça? Ils ont pas. Il y a trop une part importante de chance qui va venir rentrer entre les loots, entre les vœux, entre les. Je sais pas qu'est-ce qu'il pourrait y avoir d'autre, mais Et puis tu vois, pareil, tout ce qui est impacté par il la faut que t'aies des chance. personnages assez bah assez comment on appelle ça, diversifiés,
Oui, bah Parce oui que si aussi, tu... justement. C'est ce Si que je te tu... disais, il faut Si... une variante de type, parce que tu as certains trucs où tu as un type, par exemple, qui sera requis. Bah ouais, Donc si. je te dis, j'ai affronté des monstres avec... Je suis tombé Bah sur oui, des c'est trucs, les compliqué. mecs, ils étaient immunisés contre l'électrique, et bah, mon perso main, c'est un électrique en fait. Et avec les autres, je pouvais rien faire, donc... Mais tu vois, justement, le problème pour moi, il est là. C'est parce que les gens, ils te disent, ouais, mais tu peux finir le jeu avec les persos de base. Ouais, mais ça fait partie aussi du jeu, tu vois, tous les trucs comme ça à côté où tu vas tomber sur des petits trucs à faire Ah bah oui, et que tu vas dire, parce bah que ouais, mais en là, j'ai plus pas le perso, je me il y fais avait un mob déboîter. que je devais taper que j'avais un peu de mal parce que il était allergique à la glace. Ouais. J'ai pas de perso de glace déjà d'une montée et de deux qui valent le coup quoi. Ouais, parce que le truc, ce qui est dommage en fait, c'est que le jeu, je pense qu'il y a un contenu quand même qui est assez intéressant, même pour un jeu qui était récent sur les premières semaines. Parce que le côté explo, moi, ce qui me plaisait au début, c'est que je me baladais, je me disais, bon, bah tant pis pour les donjons, ils sont faciles, ça dure même pas 5 minutes. Mais je me disais, c'est cool parce qu'il y avait des choses à faire sur le trajet. Le temps que j'allais à mon truc d'histoire, par exemple, je faisais souvent des petits détours. Bah déjà, tu as les trucs de TP à débloquer, tu as les défis aussi, qui sont posés un peu partout, random. Enfin, Ouais, random. t'as des petits Bah, coffres, c'est t'as pas. des. Tu tapes trois, Tu as les coffres, tu tu as tapes des trois camps. mecs, ils débloquent un coffre, t'as des petites énigmes. Voilà, c'est ça. Mais pour certains défis, tu auras besoin de certains types de persos, comme tu disais, justement. Et bah justement, tu feras pas assez de dégâts parce que t'as pas les bons persos. Parce Donc que tu du. auras beau Donc essayer cinq fois ton défi, vu qu'il est timé en plus. d'où le côté gacha. Donc du coup, faut que tu sors la carte bleue pour acheter des primos pour faire pour Ouais, mais acheter quand je vois le pour taux de drop, excuse-moi, j'ai pas envie d'acheter des primos, quoi. Ah oui, mais c'est le but de Quand je la vois ce que manœuvre. je sors sur les multi Si gratuites, tu je me dis regardes, que je vais pas tenter ma c'est chance. le Hein. but de la manœuvre. Hein, Oui. Ouais, non, mais je me dis si je fais ça sur Dokkan, même si sur ma payante, je vais rien sortir parce que je vais m'acheter qu'une ou deux multi, je me dis que à côté, je sais que je sors quand même pas mal de trucs. Là, Et le jeu, si je encore, sors rien en temps normal, je vais pas aller par payer pour semaine, m'acheter deux multi, enfin quoi. par semaine, par mise à jour, on va dire, par temps, je ne sais pas comment on peut dire ça. On n'a qu'un seul, pour l'instant, on a qu'un seul portail, enfin, on a un portail permanent pour avoir les persos de base. On a un portail d'armes. Mais sinon, t'as qu'un portail de. Bah, à chaque fois, de personnages rang 5, Oui. machin. Que Bah dans dès qu'il y a un nouveau perso, ouais. les Dokkan ou les machins, des fois tu tapes 3-4. T'as 3-4 portails d'un coup. Ou Ah bah là en dans ce les moment Diantes, justement en parlant de il y ça, a ils plein ont pas arrêté d'enchaîner. de portails et tu sais plus où donner de la tête. Tu dis, si t'es free to play, tu dis. Bon, j'ai économisé un peu parce que je savais qu'il y a des portails qui allaient sortir. Lequel je dois prendre sur quoi, machin. Ouais, mais justement, ce qui est cool, c'est que ça te permet de Là, tu choisir te par concentres que rapport à ce que sur tu un as seul. déjà, par rapport au perso qui t'intéresse. Là, de toute façon, c'est soit tu mises sur ce héros, soit tu passes ton chemin, quoi. Bah là, t'as pas le choix. En fait, dès qu'il y a un portail, tu dois prendre dessus, en fait. Tu te dis, Ah ouais, il y a, bah il y a, c'est il y a, si, il le second propose, choix, c'est de il propose un 5 passe ton étoiles chemin et t'attends le et. suivant. Bah ouais, mais on a tellement pas de perso que Ben oui, c'est ça le problème. Tu vois, il y a un cercle vicieux t'es dans ce jeu, obligé de malheureusement. prendre dessus. Moi je vois qu'il y a des gens, ils ont déjà plein de 5 étoiles, plein. Ils ont des Diluc, des Chichi, des machins. Qui est le perso Diluc qui est un des meilleurs persos. Qui est même Ouais, mais tu le vois, meilleur un seul perso. Diluc, ça suffit Chichi pas, qui est quoi. le meilleur soigneur. Après, tu peux. Ton équipe de 4, une fois que tu as Chichi, une fois que tu as Diluc, tu rajoutes deux persos qui peuvent. Deux soutiens. Après, Voilà. tu peux te permettre de mettre deux moyens. Bah voilà. Mais Le truc, il est là. parce que tu as déjà Parce ton que. soigneur et ton main ton main DPS. Mais. Ouais. Ah non, mais je trouve que justement le truc il est atypique parce que je me dis justement en fait ce jeu dans quelques mois, disons dans un an, qu'adviendra-t-il de ce jeu? Parce que à part avancer l'histoire, débloquer par exemple des régions ou des trucs,
où on a un côté un peu, comme je disais, bah, MMO, tu sais, où on a des extensions, on a des trucs. Si on prend Guild Wars, tu sais, on a une nouvelle zone, un nouveau truc, au fil du temps. Là, je me dis qu'on a un peu ça, mais presque en accéléré. Ouais, bah moi j'attends vraiment parce que bon, j'explique un Donc dans peu un an. dans la map qu'on a actuellement, on a une ville qui est un peu je sais pas, médiévale européenne, on va dire ça comme ça, Ouais, c'est l'esprit un peu un côté peu allemand. ouais, que un peu côté allemand, Un peu ce et côté-là. il y a une deuxième ville tout au sud de la map qui est chinoise. Ouais, voilà, plutôt Asie. Clairement chinoise. Ouais. Et il y a une prochaine ville qui doit arriver, Bah, si tu regardes bien, on a un peu Asie qui antique, on a s'appelle... l'Europe ancienne. Ouais, et il y a une ville qui s'appelle... qui va arriver, une grande ville pareille, qui s'appelle Inazuma, qui est japonaise en fait. Donc, on va avoir des persos basés sur cette ville-là. Donc des persos japonais, parce que là on a beaucoup de persos chinois, et Même ça me vend pas du rêve, je te bah le dis moi j'attends franchement. les persos japonais parce Ah ben que moi aussi, justement, c'est ça le problème. mais là on va avoir une partie qui va s'ouvrir, la montagne du dragon, je sais plus trop quoi, un truc de neige, Dos dragon, ça s'appelle, je crois. deux dragons, d'accord, mais Ouais. Pas si je pas le dis correctement, mais c'est à peu près c'est ça. Je suis même pas sûr que c'est la ville d'Inazuma qui va arriver. Et je suis pas convaincu. Bah, j'ai pas entendu parler. Alors, est-ce qu'elle sera dans la région et que ça fera Bah. partie de la nouvelle zone ou... Ouais, Après, c'est possible, hein. c'est peut-être. Ce serait pas Mais non, choquant, parce hein. que normalement, ce que j'ai cru entendre. Elle est dans une région. Je crois qu'elle est de l'autre côté de la mer, Inazuma. Je crois que j'avais lu un truc Je comme crois ça, qu'elle ouais. est à l'opposé de la ville chinoise, après l'océan. Et pour l'instant, y a eu y a eu des problèmes, et elle est bloquée. Enfin, il y a celui qui dit le shogun a décidé de. Il n'y a plus personne qui rentre, il n'y a plus personne qui sort. Bon là, il y avait une. Ouais, c'est le J'ai Japon ancien rencontré aussi. un PNJ qui s'est sauvé, qui m'a demandé une quête bidon, mais quand je lui ai posé 2-3 questions, elle m'a dit qu'elle venait de là-bas et qu'en ce moment c'était la merde et qu'elle avait réussi à s'en aller. Bah ouais, ça me donne envie d'aller voir, tu sais. Mais je sais que là on a un personnage qui doit arriver, un nouveau. De nouveau. Et j'ai vu aussi un des premiers personnages d'Inazuma. Mais est-ce que Ouais. c'est un personnage qui est déjà parti d'Inazuma et qui se promène en mode j'explore le monde, et puis qu'on le croise dans le lore, et puis on peut l'avoir, ou faudra attendre qu'on spotte un Inazuma, je ne sais pas. On a une bande-annonce sur la chaîne YouTube de MiYoYo, Genshin Impact. Bah la chaîne YouTube Genshin Impact France, enfin officielle quoi. Et ils font voir un peu le truc de neige. On voit les mobs de neige et on voit qu'il y a de la neige. On voit les mobs qu'on a déjà rencontrés, mais en mode neige. C'est tout. Donc Ah bah ouais, le bestiaire, j'avoue que le bestiaire il est pas ouf, hein. T'as les variantes, c'est des skins, ils reprennent les mêmes avec des skins. tiens, je sais pas si je peux. Je vais regarder si je peux trouver la bande-annonce. Le Mais trailer. j'avoue que niveau bestiaire, ça vend pas du rêve non plus, malheureusement. Ouais, mais Mais je pense que c'est pas. ça manque d'un peu d'épicness dans le jeu, parce que même les phases, genre la phase contre Storm Terror, je l'ai trouvée chiante parce que ça tire sur la longueur pour rien. Y a une certaine aussi incohérence dans la façon d'aborder le truc, parce que c'est on te ramène là-bas, c'est dans une tour, on te dit pénétrer dans la tour, tu te retrouves en l'air en train de combattre le truc pour le faire tomber après au sol.
Je veux dire, même la mise en scène, je trouve qu'elle colle pas à la façon, l'approche que tu as et tout ce que tu as fait avant. Malheureusement, il y a un genre de petit décalage. On sent que bah, les mecs, ils n'ont pas investi dans ça. Tu sais pas leur priorité, quoi, en fait, finalement, l'ossature de l'histoire. Après, c'est comme beaucoup de gachas. Les gachas, souvent, tous les trucs histoire, c'est du secondaire et c'est tout ce qui est secondaire de toute façon que tu vas farmer, que tu vas aller faire. Pour aller t'équiper, pour aller faire autre chose qui prend plus d'intérêt. Mais là, le problème, c'est qu'on a voulu nous vendre ça dans le sens d'un jeu vidéo standard. Donc, une histoire, quand même, qui se vit comme un jeu solo, comme n'importe quel jeu, comme un Assassin's Creed où t'as une aventure avec l'histoire principale, comme un Breath of the Wild, comme n'importe quel jeu où justement t'as un monde ouvert avec des à côté. Et là, l'histoire principale de ce monde ouvert, finalement, moi je la trouve pas super divertissante. Et comme en plus il y a ce système de cassure par plusieurs coupures, c'est pas toujours fun. Ils ont sorti une nouvelle vidéo qui s'appelle version 1.2 spécial programme. Oui, je l'ai vu ça. Tu l'as vu toi le spécial programme? Ouais. Elle dure 49 minutes. Ouais, c'est ça. Et À peu près, je crois. d'accord. C'est un peu long. Mais j'ai le trailer de la version 1.2. Je vais essayer de voir si je peux Plus tard, s'il va nous agresser. la diffuser. Je vous promets rien. Vas-y, LB2 again you. continue. Bah, je regardais juste un truc vite fait. Ah oui, on en remet un cryo en plus dans cet 1.2 encore. Alors autant le LB2 il peut apporter quelque chose en termes d'explo avec le système de plaque qui peut devenir de l'ascenseur. Mais le Ganyu qui est un nouvel archer encore. Ils se sont dit, ouais, les gens, ils ont l'air de kiffer les archers, on va leur remettre. Mais si on les tombe jamais, ça sert à rien, les gars. J'ai envie de le dire. Ah, c'est ça s'appelle les monts d'eau dragon, la nouvelle zone. Donc c'est bien d'eau dragon, tout collé. Donc il y aura un nouveau dragon là-bas. Ça a l'air d'être ça. Ce sera dans la neige. Avec des nouvelles quêtes. Sérieux, quand ils vendent ça, il y aura une nouvelle mécanique aussi. Une jauge de froid. Ah oui, ils prennent la. Bah voilà, tu vois, la jauge de froid repris encore une fois de Breath of the Wild. Donc je me demande comment ils vont la gérer. Est-ce qu'ils vont faire comme. Ah oui, il n'y aura pas comme Breath of the Wild, malheureusement. Tu vois, Breath of the Wild, là où ils étaient intelligents, c'est qu'ils ont rendu ça naturel, l'exploration, avec ce système de chaleur et de froid, où c'était lié Ah finalement à tes merde. vêtements. J'arrive pas à le. Je comprends pas sur ma capture, il s'affiche pas. Mais là, le problème, c'est cool, il y a une nouvelle mécanique, mais la mécanique, elle va se faire avec, j'imagine, avec des feux ou des trucs comme ça pour te réchauffer. Non. Ben, Parce que sinon, tu vas perdre tes HP. il y aura un truc de froid. À ce moment-là, tu prends des Tu persos pourras pas glace. utiliser certains gadgets. Tu prends des persos glace et puis voilà. Ouais, mais je pense pas qu'ils vont faciliter ça comme ça. Je suis pas sûr. Franchement, j'y crois moyen. Le problème, c'est que si tu fais ça, ça va arranger ceux qui ont la chance d'avoir soit le plus de persos, soit d'avoir tombé ces persos-là. Je pense qu'il faut un truc, un juste milieu. Parce que sinon, on va perdre des gens. Mais c'est dommage, parce qu'après, je trouve le jeu joli, sans déconner. Le seul reproche que je ferais à la version PS4 par rapport à ce que j'ai pu voir des autres versions, c'est les temps de chargement. Ça, par contre, j'ai trouvé ça Non, un bah petit peu abusé. j'arrive pas en fait, j'arrive pas à afficher. Je sais pas le faire. Donc voilà, après moi je dirais pas que le jeu, Capture de je préfère fenêtre, le je dire, comprends hein. pas, ils disent qu'il est. Le jeu est pas mauvais, c'est que moi c'est pas ma came, c'est pas ce que je recherchais dans le jeu. Moi en fait Tant j'espérais pis. avoir un jeu à la Breath of the Wild, mais sans avoir Breath of the Wild. C'est-à-dire moi dans Breath of the Wild, ma came dans ce jeu-là, alors j'y croyais pas parce que franchement quand j'y ai joué je m'attendais pas du tout à ça, c'est que j'en ai rien à foutre des donjons, j'en ai rien à foutre du jeu presque, c'est que moi j'aime me dire. Allez, je vais jouer 1 heure ou 2, mais pendant ces 1 heure ou 2, je vais aller me perdre. Je vais aller réfléchir à comment je vais dans telle zone. Et je me dis, ah tiens, j'arrive au bord. Ah, il me faut un manteau plus épais parce que bah, là-bas, il fait froid, par exemple. Donc, il faut que je me démerde pour aller trouver un manteau, quelque chose de plus chaud, tu vois. Je vais aller Ouais. faire mes recettes, je vais me promener. Et j'espérais retrouver ça un Je peu dans vois ce Genshin. que tu veux dire. Je vois ce Et que dans tu veux Genshin, j'ai dire. pas retrouvé ce côté où tu te balades Ah librement, oui, non, non, justement. c'est un. C'est. Non, non, non. Parce que malheureusement, il n'y a pas.
C'est pas ouf, tu t'amuses pas quoi quand tu te promènes. Parce que déjà tu tombes sur des mobs tous les 10 mètres, la plupart du temps. Que l'escalade, bah t'es pas bloqué facilement non plus. Après j'ai le problème des murs invisibles pour parfois. Ça c'est un peu chiant. Mais après c'est pas gênant quoi. Tu sens qu'il y a ce côté trop casu qui te met une barrière et t'as pas ce. C'est pas finalement si libre que ça, quoi. Je pense que après aussi, quand t'es dehors, il n'y a pas cette magie que Zelda est capable d'apporter. Parce que j'avoue que moi, quand j'arrivais dans Zelda, par exemple, je me promenais, j'étais dans un coin paumé en pleine montagne, par exemple. Et alors, je n'ai pas le nom du village, mais je crois que c'est le village où il y a Sheik, ou non, Impa. C'est Impa dans cette version, je crois que tu rencontres. Et Si je par me contre, rappelle bien. il y a un truc que je comprends pas. Enfin, un C'est truc quoi, que je monsieur? trouve un peu bizarre, c'est que ils viennent de nous mettre Zhongli, qui est un Oui. personnage un 5 étoiles Terre. Oui. Et Ouais, ils en remettent un. le prochain qu'on va avoir, c'est Albedo, un 5 étoiles Terre. Ouais, c'est ce que je t'ai dit. Bah, c'est juste qu'il va ramener une nouvelle mécanique, en fait, lui, c'est pour ça. Mais Pourquoi donc, ils n'avaient pas le choix. ils nous remettent un Terre derrière? Pourrais pas te dire. C'est Je sais pas bizarre. comment ils planifient leur truc. Bah, c'est comme pourquoi on nous remet un cryo. Ah ouais, elle est cryo aussi, elle. Cryo Archer en plus. Ah oui, Ganyu, c'est une cryo. Ah oui, il y a la nouvelle mécanique où il faut aller voir des cœurs, enfin des... Je sais pas, Donc. on voit à un moment donné, le personnage va avoir une sorte de cœur rouge. Bah, j'imagine que c'est ta gestion du froid, peut-être. Mais après, je sais pas, il y a des portails de glace, des trucs. Enfin, il y a une sorte de... Je ne sais pas, faudra voir. Mais je pense pas qu'il va y avoir Ouais, faudra voir dans les détails. il va pas avoir un truc par rapport au froid. J'y crois pas. T'es dans la neige, t'es dans la neige. Point, c'est un nouveau biome. Ah mais si, ça a été annoncé, c'est officiel ça, le Ah truc du bon? froid. Ah oui, c'est officiel. Bah, de toute C'est façon, tu risques rien, toi, Mirio. avec ton diluc feu. Bah c'est pas sûr justement, ça dépend comment ils vont gérer Mais comment tu après préchauffes. le truc que je voulais savoir aussi, et qui va être important pour la suite, c'est va-t-il y avoir des variantes au niveau des pouvoirs des persos? Dans Ah l'histoire, bah, dans le bonne lore. question, Est-ce ouais. que, je sais pas, un de ces jours, on peut avoir un diluc glace? Ouais, je sais pas, bonne question. Je pense pas normalement. Si on suit une certaine logique, il faudrait vraiment un gros truc. Qu'est-ce qui va justifier qu'il y ait une autre version à ce Ouais, point-là? c'est vrai. Par contre, alors on va y Sachant rentrer, qu'on te l'a sorti pour ton perso, on va y c'était rentrer déjà bien. maintenant parce que on parle de ça. Nous n'avons toujours pas eu, parce qu'il y a 7, je crois que c'est ça. Sept éléments dans le jeu. Ouais, ça doit être ça, ouais. On a l'eau, on a le vent, on a la La terre. glace. On a la glace, on a le feu. Attends, je dis des conneries. Non, il y en a 6. Vent, feu, électro, cryo, Ah, géo attends. et hydro. On a le vent, Ça. on a le feu, on Ouais. a l'électrique, La foudre. on a la glace, La on a glace. la terre, Terre. on a Hydro. l'eau, L'eau. et il y a le septième qu'on n'a toujours pas eu, qui est la terre. Enfin, Géo, c'est la Ouais. roche, pardon. Ouais, voilà. Géo, c'est la roche. Et on a la terre qui s'appelle Danda. Dadum. Je sais plus. Mais on a le pouvoir de la terre. Et personnage qu'on n'a toujours pas vu. Personne n'a le pouvoir de la plante, en fait, de... Herbe. Ouais, terre, herbe... Ouais, non, mais on pourrait avoir d'autres, hein, parce que tu pourrais avoir. Ah non, mais Ouais. c'est les 7 éléments qu'on a dans le jeu, en fait, qui sont prévus. Oui. Mais le septième, on n'a toujours pas de perso qui Non, oui, il représente n'y a pas eu de perso ce qui donne ça, truc-là. ouais. Je vois ce que tu veux dire. Alors qu'ils nous ressortent un personnage roche, et un personnage glace
Alors qu'ils auraient pu nous mettre un personnage Ouais, mais plante. je te dis, parce que je pense que ce personnage-là, celui qui a le truc d'ascenseur, il va servir pour l'explo, Ah, parce que c'est ça que tu dis, capture un côté un peu l'ascenseur. Je plus viens de vertical. voir. Ouais, c'est un truc qui permet de monter. Ouais. Ouais, c'est ça super. Il fait Albédo, hop, une d'accord. plaque. Et Mais cette non, plaque le permet truc de d'ascenseur que servir je... Non, non, d'ascenseur. c'est l'autre que je te disais, c'est il vole. Enfin, tu fais un saut. Tu sautes plus haut que les autres persos de d'habitude. Ouais, je vois ce que... ouais, genre gravité allégée, quoi. Je sais pas. En tout cas, je suis du genre quand tu sautes à 1 mètre de hauteur. Et bah lui, Ouais, lui, il va sauter à deux. il va sauter à 2 ou peut-être 2,20. Et ton but, c'est tu sautes et tu fais ton attaque. Tu fais attaque pour faire l'attaque. Oui, parce que ça va être un perso aérien, lui. C'est ça. Mais il vole pas. C'est juste tu sautes, tu fais ton Non, c'est attaque. son Tu saut. sautes, tu fais ton attaque. Tu sautes, mais tu fais que Ouais, ça. c'était qui ces zombies, Et ça? non, c'est. C'est qui? C'est celui qui est sur ma. Sur mon Ah, affiche à celui à droite. droite. Ouais. Avec son masque. C'est dès qu'il met son masque, il se transforme en. Enfin, ça fait une sorte de je ne sais pas quoi. Et dès qu'il a le masque, il fait ça. Il saute, il boum. Et saute, Pardon. boum. Saute, boum. Et bah, j'ai pas trouvé. Ah bah je t'ai dit, hein, les gameplays, ils ont l'air d'avoir mis à toutes les sauces pour essayer que ça J'ai pas plaise au plus trouvé grand nombre fun. et que chacun trouve sa façon de jouer. Par contre, le perso, j'aime bien. Ah, je le trouve stylé, moi. Mais après, le Avec le chara-design, il est très masque, beau, hein. ouais, le chara-design Mais il est c'est quelque classe. chose que Quand il j'aime met son beaucoup, masque et tout, ça claque. Par contre, c'est le moi. fait de la mécanique, c'est tu sautes, tu tapes, tu sautes, tu tapes, tu sautes, tu tapes. Ça, j'aime pas. Ouais. Ça m'intéresse pas. Mais c'est ça que je trouve dommage dans ce jeu-là, parce qu'il y a quelque chose qui m'attire. De toute façon, le visuel m'avait déjà attiré à l'origine. Ah Quand oui, c'est j'avais vu les premières cinématiques, je trouve le jeu beau. Après, il est pas ouf, hein, on magnifique. va pas se mentir. C'est pas une claque graphique ou une vitrine technologique ou ce qu'on veut, mais Ah, je pense que pour ce qu'il complètement. propose, Mais ça rend magnifique. joli, c'est ce qui Les compte. personnages sont très bien faits. Bon, après, ça reste du. Comment on dit? C'est pas des Après le waifus. problème, C'est ouais, des. si, il y a beaucoup, ça joue beaucoup sur les waifus, ouais, avec les Ouais, filles. c'est que les Quand même, tu filles. Il y sens, a des garçons, ouais, il y mais en a beaucoup. il y a beaucoup, 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 beaucoup de filles. Après, justement, le truc, c'est que tu sens que Genshin, il sort, parce qu'on n'en a pas encore parlé, mais MiHoYo, c'est quand même un studio qui est assez jeune finalement dans le jeu vidéo, parce que c'est un studio qui a quoi, 8 ans à peu près. Ça sort de l'ère 2010. Ouais, ils avaient Bon, fait un jeu avant, mais je sais plus comment ça ils ont... s'appelait. Non, non, ils en ont plusieurs, ils en ont 6 ou 7, je crois. Ah ouais, Mais quand même. chez nous, par contre, nous, on connaît que deux jeux. Alors, deux jeux assez. C'est assez bizarre quand on regarde ça. Parce que le précédent, c'est Honkai Impact Third. Ah merde. Si tu vas sur ton téléphone, par exemple, tu tapes Honkai Impact Third, tu as l'impression de voir Genshin un peu. Oui, j'ai l'impression que c'est le même moteur. Par contre, Et alors, quand tu voulais je... télécharger le jeu, je me rappelle qu'il y a plein de gens qui se disaient merde, c'est lequel que je dois mettre. Tu sais, quand ils connaissaient pas trop, ils Oui. s'étaient pas trop renseignés. Et ils disaient mais c'est lequel des deux? Parce que souvent, tu tombais sur les deux quand tu tapais, même des fois un peu avant la sortie, quelques jours avant la sortie. Comme tu as certains qui avaient eu la bêta, t'en as qui voulaient mettre le jeu, ils se disaient ouais, ça avait l'air sympa, tu vois. Et ils tombaient sur ça, mais ils disaient ouais, mais non, mais c'est le jeu ou c'est pas le même jeu, qu'est-ce qui se passe? Et tu vois, ils avaient ce Ça doute, donc comme veut quoi. dire quoi, inutile? Jusqu'à. Ah merde. Ou jusque, je sais pas. Il y avait un code. Ah, c'est ouais, ils te mettent la date derrière jusqu'à utiliser Du avant. 11-12 à 20 h. Mais ouais, MiHoYo, c'est quand même une tradition bah déjà d'anime. Hein, voilà, c'est trois étudiants en plus à la base. Ce qui est impressionnant aussi, quand je me suis renseigné, parce que je savais pas que c'était à ce niveau-là, à Ouais. l'origine, c'est trois étudiants chinois qui ont monté cette boîte. Ils étaient à l'université, je crois, à l'époque, si je me trompe pas. Et c'était des gros fans d'anime, de manga, donc forcément, bah, leur Ah, société, elle a pris ce sens-là. ça se Ils ressent, hein. voulaient faire des jeux qui allaient dans ce sens-là. Mais aujourd'hui, c'est une boîte, donc on est 8 ans plus tard, où il y a 1500 employés. Je sais pas si tu vois la variante quand même entre il y a 8 ans. Quand Et comme même. j'ai dit, sachant qu'ils ont sorti qu'une poignée de jeux, qui sont souvent que des jeux mobiles.
Et sachant qu'ils sont que des jeux, la plupart que nous, on n'a pas connus. Comme j'ai dit, franchement, le jeu chez nous qui est passé sortir en 2016, mais je crois qu'il a dû arriver un peu plus tard chez nous, c'est le Honkai Impact Third. Déjà, on retrouvait ce Impact. Ah oui, Donc, est-ce que. Après, je suis pas un super fan, donc je sais pas s'il y a un Je sais lien pas entre si les c'est dans le deux même monde, licences. ouais, je ne sais pas. Ah oui, c'est ça J'ai que un tu doute. disais, le Sub-Zero Climat. Ah ouais, c'est ça. D'accord, c'est le ouais, New Mechanic, ouais. Donc, c'est le jeu qui a commencé à vraiment les exposer, Ça va être les chiant. Honkai Impact. Et ensuite, donc cette année, ils ont sorti Genshin Impact, bah là, qui a vraiment fait un carton. Parce que je ne sais plus, j'avais regardé les chiffres à ce que ça avait rapporté à la boîte en termes de revenus sur les premières semaines. Je crois Ah, que c'est impressionnant. ils se sont gavés. Ils se sont J'avoue que j'ai gavés. plus le. Par contre, j'ai plus la somme. C'est dommage parce que je sais que c'était quand Ah même oui, non mais impressionnant dès pour la un jeu première semaine, ils avaient récent. déjà dès la première semaine, ils avaient déjà remboursé ils avaient déjà bien remboursé le jeu. Ah ouais, non, mais carrément, même. Vous avez plus Grâce remboursé, parce que c'est un au jeu quand même où ils ont investi beaucoup aussi. grâce aux ventes Si je me trompe pas, c'est un jeu quand même avec un gros budget Ah pour un oui, gacha. les mecs ils ont Je crois que c'est fait le plus gros budget du gacha. ils ont fait du des gros bouts c'est un coup de million et tout ça et ils ont été remboursés et très vite Attends, j'essaie de. pour l'instant 393 millions de dollars en 2 mois. c'est Donc ça quasiment 400 millions de dollars en 2 mois, c'est impressionnant pour un jeu qui sort de nulle part, qui n'était pas forcément dans la veine, parce qu'on a été habitué. Alors le truc, c'est qu'aussi les gachas, souvent, ça tourne autour de licences. Donc c'est vrai qu'on est habitué à ça. Donc ça attire plus facilement les fans dans un jeu ou un autre, où ils vont se dire, bah, Complètement. même si ils jouent pas, ils vont tester, et peut-être qu'ils seront pris dans le jeu, ils vont rester, ou soit bah, ils vont se dire, bah non, bah, j'aime pas, et ils vont se barrer, quoi. Au bout d'un moment, ils vont délaisser le jeu. Mais eux ont réussi le pari quand même d'attirer quelque chose sans aucune licence, quoi. C'est assez impressionnant. Ouais. Que c'est leur propre création et ils partent vraiment de zéro à travers ça. Et je pense que c'est là où on peut dire quand même que bah, y a un vrai taf, quand même, je pense, dans la recherche avant de proposer quelque chose. Et c'est pour ça que c'est pour moi, c'est quand même un jeu atypique. Parce que j'avoue que j'aurais jamais pensé qu'il marche autant. Qui marche, ouais, pour le côté liberté, le côté un peu Breath of the Wild, bah, parce que tout le monde n'a pas de Switch ou n'a pas eu la Wii U pour pouvoir jouer à Breath of the Wild. Que Immortal Phoenix, qui est un peu dans la même veine, bah, c'est pas du tout le style Asie, que ce soit dans le chara-design ou dans l'univers, donc bah, ça c'est pas pareil. Y a pas cette même empreinte, justement, je trouve, dans Immortal Phoenix. C'est un peu plus enfantin, en plus, on le savait depuis un moment, hein, malheureusement. Parce que les premières previews, bah, elles trompaient pas par rapport à ça. Et bah, Genshin, ils ont quand même réussi à attirer beaucoup de monde autour, que ce soit des farmers, des gros joueurs, quand même, qui ont passé du temps sur le jeu, comme des joueurs qui vont venir comme ça passagèrement. Et je trouve que c'est impressionnant, ça à mettre à leur crédit, mine de rien. Et je pense que bah, le visuel a fait une partie du taf. Je pense qu'après, bah, le fait, système d'histoire d'Explo, bah, finit par attraper les autres joueurs. Après, je sais pas, je pense qu'il manque quand même un petit quelque chose à voir après dans le temps. Mais moi je le dis, j'avoue, je pense que j'aurais delete le jeu peut-être avant la fin de l'année. Je le dis Ah ouais? sincèrement, Carrément? j'avoue que voir plus, non, je t'ai dit, j'ai vraiment lâché, la manette, elle m'est vraiment tombée des mains, non, j'ai pas envie d'investir mon temps dedans. Pourtant, c'est dommage parce qu'il y a quand même beaucoup de choses qui m'attirent dans le jeu, mais malheureusement, l'expérience, en fait, je la trouve trop ennuyante pour ma façon de jouer, donc je peux pas jouer à un jeu où je m'ennuie. Comme je te disais, c'est comme regarder un film qui est nul à chier, et tu dis, je le regarde. Je peux regarder ce genre de film, par exemple, mais en faisant quelque chose à côté. Le film, il va tourner en fond, je vais Oui, survoler en regardant, et jetant un œil là le dessus. problème c'est que Là, j'ai besoin bah d'être actif. on ne peut pas, on est Ouais, obligé de voilà. jouer. Donc, malheureusement, j'ai pas envie de perdre mon Bah temps et faire semblant d'aimer le c'est un jeu. peu le problème que j'avais avec, enfin non c'est pas vraiment un problème mais oui c'est le t'as des gachas où tu dis à tes mobs vas-y attaque et puis ils le font tout seul ou alors Ah, mes jeux préférés.
tu jouais, mais tu dis, voilà, avec une main, tu regardes vite fait 30 secondes, t'appuies, tu dis, vas-y, hop, 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 tu peux faire un autre truc en même temps. Que là, t'es, oui, c'est un vrai jeu, quoi, donc t'es obligé d'avoir la manette ou alors Ouais, mais voilà, quitte à le jouer à un clavier vrai jeu, je préfère jouer à souris un ou jeu alors où je vais avoir être l'immersion en investi plus, quoi. dedans, quoi. C'est ça. Là, le problème, c'est que j'y vois un jeu de phare, mais là, j'ai même pas la. Tu vois, même pourtant, j'ai rejoué quand même il y a quoi? Il y a 3-4 mois à World of Warcraft. Et j'ai pris plus de plaisir à revisiter le jeu, à aller faire explorer tout ce que j'avais pas vu, justement, ce que j'avais raté depuis le temps où j'avais arrêté et le temps où j'ai repris. Aller m'éclater à faire ça comme ça, aller dans les donjons, aller rush des trucs par moi-même, pour juste aller voir l'histoire un peu comment c'était, tu vois. La plupart des trucs, tant que j'étais pas d'un certain niveau, c'était trop simple, forcément. Mais tu vois, ça me dérangeait moins. Parce que clairement, je prenais 5 minutes, mais je venais juste là pour lire les lignes de dialogue, pour voir un peu comment l'univers avait évolué. Et c'est le seul truc qui m'intéressait. Et en plus, à côté de ça, je prenais des loots. Je me ramassais des montures ou des trucs comme ça, mais j'étais quand même récompensé à côté de ça. Parce que je me faisais de la thune, je me faisais des loots qui pouvaient me servir pour d'autres trucs. J'avais toujours moyen de rentabiliser les endroits où je me déplaçais. Et sans déconner, j'ai même fait des raids qu'il fallait faire, je sais plus, c'était 20 ou 25 à l'époque. Là, tu peux te les faire solo. Mais limite, ça m'a pris plus de temps. J'ai mis une soirée pour faire un des raids. Pourtant, je suis censé être capable de rusher. Hein. Je peux quasiment one shot les boss et tout. Mais j'ai pris plus de plaisir à faire ça, à me balader dans le donjon, à essayer de trouver les logiques. Parce que certains boss ont des strats. Et bah, tu vois, j'ai pris plus de plaisir à faire ça qu'à aller me promener dans Genjin où finalement, bah, il y a une lassitude qui se passe. Et que tu sens que le jeu, il essaye de te créer une routine. Et que cette routine-là, bah, en fait, j'ai pas envie de l'accepter. Je pense que c'est ça mon problème. J'ai pas Ouais. envie qu'on m'impose cette routine et je l'ai déjà en fait, je l'ai déjà sur tellement de gacha que je veux pas m'imposer un jeu en plus qui va jouer de la même façon. Sachant pardon, que ce jeu, j'y joue pas sur mon téléphone. Donc c'est pas, j'allume mon téléphone, voilà, en 30 secondes, comment dire, je vais dessus, je fais 2-3 trucs et je me casse. Non, il faut que j'allume ma télé, il faut que j'allume la PS4 pour le faire en plus. Donc si j'allume ma PS4, en fait, je me dis, bah, quitte à aller faire ça, je vais sur NBA, je me lance un match, ça va me prendre une demi-heure aussi, mais je vais faire un match dans ma deuxième saison. Je vais aller jouer, je sais pas, moi, Horizon Zero Dawn, où je vais jouer 1 heure ou 2, mais je vais prendre plus de plaisir à aller me promener dans l'univers, à aller faire des quêtes secondaires, des trucs comme ça, qui sont pas forcément plus intéressantes, mais où va y avoir un petit raccord avec l'univers, quoi. Là, les quêtes secondaires, c'est vraiment, on te les donne pour que t'aies quelque chose à faire, quoi. Ah, va tabasser les monstres là-bas parce qu'ils font chier. Il y a toujours un vieux prétexte pour dire voilà, on t'a mis ça, c'est pour que tu viennes faire ta quête quotidienne, quoi. En vrai, si on avait pu, on t'aurait dit va tuer les monstres et reviens, ça aurait été plus rapide. Si on avait pu faire comme ça, on l'aurait fait. Ok, oui. Mais comme ils n'ont pas le droit de se permettre, parce que forcément, il faut forcément un petit peu d'habillage pour que les gens ils voient pas trop non plus les ficelles et qu'ils se disent pas au bout d'un moment on se fout un peu de notre gueule. Mais je pense que c'est ça qui manque, ce petit truc expérience où bah tu vois limite on parlait récemment vu que c'est un jeu que j'ai commencé Elite Dangerous. Pourtant c'est un univers quand même assez vide et même quand j'y joue en solo je joue pas. C'est un jeu où tu vas t'amuser beaucoup plus en jouant avec des escadrons avec tes potes ou des trucs comme ça, et ben solo j'arrive à m'amuser plus parce que je me donne moi-même les objectifs de dire tiens, je vais explorer, tiens, j'ai envie d'apprendre à miner, comment ça marche, ben, je vais regarder un peu ce qu'il me faut, où je vais, il faut que j'essaye de trouver ça dans l'espace, donc je vais voyager en même temps, et je vais me dire ah bah tiens, il me faut cette pièce-là pour mon vaisseau de minage, tu vois, je veux dire ce côté un peu Minecraft. La limite va m'amuser plus alors que là on te donne des objectifs mais finalement c'est ennuyeux les objectifs qu'on te donne. Parce que pour récolter des primos, des trucs pour comment dire pour que tu puisses faire tes invocs finalement, faut que tu suives ce que certaines personnes ont décidé pour toi. Et comme tu trouves ça chiant, et ben ça te gonfle et tu dis ouais bah casse-toi. Un, je prends pas de plaisir, je viens juste pour les primos, mais au bout d'un moment, vu qu'en plus, si tu sors pas de perso comme moi, tu te dis, mais qu'est-ce que j'en ai à foutre des primos si c'est pour sortir un 5 étoiles tous les 10 ans?
Je vais dire qu'est-ce que j'en ai à foutre finalement, puisque le reste du temps, ce que je vais consacrer dans le jeu, je vais passer, je peux le faire avec les persos que j'ai déjà. Donc je vais pas aller me faire chier à aller gagner des primos pour des trucs qui me servent à rien, ou je vais juste avoir du stuff à détruire et des trucs pour acheter directement mes orbes pour invoquer. Ah, les trucs, je sais plus comment ça s'appelle en plus, j'ai oublié. Ouais, c'est vrai. Ouais, donc Les trucs de la dé. Donc tu vois ce que je veux dire? Je c'est pense vrai. qu'il manque quelque chose dans ce jeu, en fait, dans cet impact pour Bah, attirer des joueurs comme là, moi. ils vont faire une grosse mise à jour à la 1.2, à voir s'ils vont changer des choses. Ah, c'est peut-être celle que j'attendrai pour me lui donner une dernière chance, parce qu'il reste qu'une semaine. Déjà qu'ils ont Voir déjà qu'ils visiter vont un peu. changer un truc par rapport au donjon. Avant, quand tu finissais un donjon, tu cliquais sur l'arbre Ouais. qui te donnait tes loots. Et tes loots, ils tombaient par terre, en fait. Ouais, ça je me Et rappelle. tu devais les récolter. Maintenant, tous tes loots vont s'afficher devant toi. Et comme ça, tu peux voir ce que tu viens d'avoir au lieu que ça tombe par terre. Ça, déjà, c'est... Ah bah ça c'est un peu en avant, parce que Ça quand ils te sera mettent ça déjà sur les mieux, ça. coffres qui sont en hauteur et que t'as les trucs qui tombent dans le vide, tu te Ah, fais pour les t'es un coffres, je con, ne faut sais que j'aille pas. chercher. C'est pour le... dans Ah les non mais donjons. justement, c'est pour ça qu'il faudrait qu'ils fassent quelque chose pour que ce soit aussi pour les coffres, Oui, tant pour qu'à les coffres faire. aussi, ouais. Parce que j'avoue que des fois je faisais tomber des loots. Bon, la plupart du temps ça m'arrivait, c'est des trucs où il y a 5 mètres de haut, donc ça va, tu te dis c'est pas trop grave. Mais tu te dis ouais, si un jour ça m'arrive avec le coffre qui est au bord de la falaise ou un truc dans le genre, je me dis ouais, attends, mais tu te fous de ma gueule le jeu. C'est Parce que vrai. ça m'est déjà arrivé de devoir courir après un loot et que finalement tu te dis ah, oh, en plus j'ai couru pour Puis en ça. plus, c'est un loot Le truc, je de... m'en Ouais, bats c'est la un gueule. loot blanc pourri, quoi. Bon, tu Ouais, sais, ça fait complètement. 1h21, je me dis, est-ce qu'on ferait pas un petit bilan, voilà, un petit récapitulatif? Bah, comme moi j'ai donné mon avis, j'aimerais ton avis justement sur le jeu. Bah, vu que t'es plus impliqué par le jeu, bah, j'aimerais ton avis et j'aimerais, bah, qu'est-ce que tu pourrais attendre du jeu? Moi j'en attends clairement plus rien spécialement. Bah, le truc, c'est que... Donc toi, tu dis que tu t'y attends... Enfin, t'y attends plus rien du jeu, t'es limite à Bah, c'est pas que le... j'attends plus rien, c'est que je pense qu'il est trop tard pour qu'il change la recette et l'ossature du jeu pour que ça puisse m'amuser en fait. Je pense que Toi, je suis comme pas tu le disais, t'es à public. la limite de le désinstaller. Ouais, moi c'est plus, je suis déjà là blasé. Moi, le truc, c'est que... Bah, j'attends toujours les mises à jour pour voir le nouveau pan d'histoire. Je veux découvrir la suite de l'aventure, quoi. Par contre, Ouais. entre les deux, ouais, faut qu'ils mettent plus d'événements multijoueurs déjà. Beaucoup plus d'événements multijoueurs. Histoire de, bah, tu joues pas, de ne pas jouer tout seul. Comme ça que tu puisses te rassembler avec tes amis ou même rejoindre des gens que Ouais, je tu trouve ne que ce connais serait pas. cool aussi ça. Je pense que c'est peut-être ça qui manque. Aussi, ce côté, on a mis un multi, mais bah, finalement, quand t'en as pas besoin, la plupart Plupart du du temps, tu temps, fais tu tes joues tout trucs. seul, ouais, donc Voilà, c'est un peu dommage qu'ils aient pas inclus, vu que la coop maintenant, elle est dans le Et jeu. puis De en toute façon, plus pourquoi tu peux pas le faire alors autre je ne sais truc? pas s'ils avaient fait quelque chose, mais la dernière fois que j'ai joué en coop, par exemple, si par exemple je te rejoins sur ta partie, je te rejoins sur ta partie. Si on fait des missions, c'est tes Ouais, missions. ça aussi, c'est Il n'y un a pas ça aussi, c'est un mes problème. missions, il n'y a pas mes trucs. Ouais, parce que alors je sais plus dans quel jeu il y avait ça, mais justement, ouais, je sais pas si c'était pas un Far Cry, peut-être, j'ai un doute, mais peut-être un Far Cry où ouais, les gens venaient donner un coup de main, mais eux forcément gagnaient pas forcément quelque chose. C'était l'autre C'est ça, qui c'est juste récupérait la plus-value. le truc de je viens de donner un coup de main. En gros, tu viens plus pour carry le mec, finalement, pour te faire avancer, que pour t'amuser, en fait. C'est ce que je trouve dommage. Ouais. Après, moi, ce jeu, je le joue vraiment comme un gacha, quoi. Ouais, mais Là, ouais, c'est pas ma came en termes de gacha dans ce truc-là. je me connecte une fois par jour, je fais mes cotis. L'événement, s'il y a un événement. Et là, pour l'instant, actuellement, à l'heure où je vous parle, enfin, au jour où je vous parle, ouais, en moins d'une heure, parce qu'il n'y a rien à faire dedans, en moins d'une heure, j'ai fini mes quêtes journalières, j'ai fini le mini-event, et en fait,
En fait, je vais vous dire un truc. À 18h, 18h30, ouais, à 18h30, sur Twitch, je regarde le stream. L'émission, le stream. À ce moment-là, je lance Genshin Impact. Je joue pendant que j'écoute le stream, que je regarde le stream. Et en fait, je fais ça en même temps. Mais je sais pas, il n'y a pas de. Généralement, quand je suis dans un gacha, à part au début, que je me lance dans un gacha au début, je me lance dedans. Mais au bout d'un moment, t'as les gens qui partent. Et après, t'as des gens comme moi. Enfin, après, t'as les acharnés. Puis après, t'as les gens comme moi qui. Bah, tu reviens sur le jeu. Tu fais tes quêtes. Tu fais tes quotidiennes. Tu fais 2-3 trucs. Histoire d'avoir un Tu viens peu. pour l'histoire aussi quand il y a un morceau de débloqué. C'est ça. Tu viens pour faire tes primos. Pour économiser un peu de primo. Et enfin, un peu de monnaie de jeu. Et comme ça, quand il y a un prochain portail, bah tu pourras payer 2, 3, 4 fois des multis pour avoir les persos que tu veux. Et dire, bon, bah comme je sais pas ce qu'ils vont me donner plus tard, bah j'économise encore un petit peu. Généralement, moi, quand il y a un portail, je paye le premier jour. Peut-être le. Non, ouais, je paye le premier jour. Et je paye le dernier jour. Entre les deux, bah forcément, j'économise. Et le dernier jour, en fait, je viens sur le portail. Je fais. Selon ce que j'ai économisé, je fais une multi. Histoire de dire, allez, une dernière fois, si j'ai pas le perso, tant pis. Il y a le prochain portail qui arrive, je paierai sur le prochain portail. Par contre, comme la dernière fois avec Tartalia, bon, je le voulais pas, mais le portail est arrivé. J'ai dit, je paye une fois, on voit ce que ça donne. J'ai payé une fois, je l'ai eu deux fois, et j'ai eu deux fois le personnage qui l'accompagnait. J'ai dit, c'est génial. J'ai même plus besoin d'y retourner. Ah mais C'est c'est ça, ça qui est cool de hein. voir Dodo. Si t'as de la chance, j'ai Zhongli, envie de dire tant j'aurais mieux, eu. mais. Franchement, là, j'ai fait, je sais pas, 4 ou 5 multi pour Zhongli. J'aurais eu de la chance comme Tartalia. J'aurais payé le première multi, j'aurais eu Zhongli. J'aurais pu relancer. J'aurais. Les autres primogènes, Paye pour voir. j'aurais gardé pour le prochain portail. Après, tu Ah vas mais me c'est dire, ça, de toute façon, oui, mais il là c'est faut rare de chance. repayer parce qu'il te faut un double pour la voix, pour le mettre dans tes constellations, machin. M'intéresse pas pour l'instant. Je farme pas assez le jeu et Ouais non mais les ça après je suis d'accord, équipements, les parce que trucs c'est comme pareil, ça moi j'ai pas besoin d'avoir pour me. les trucs des Je constellations, me mais c'est un peu dommage bute quoi. pas pour avoir le loot 5 étoiles avec les bons trucs pour le maxer à fond le bonhomme avec Ouais, mais parce que la tu vois, bonne je me dis. arme et tout ça. Le problème, c'est que je me dis que même dans 6 mois, vu qu'à chaque fois c'est des portails où c'est limité dans les nouveaux persos et que généralement t'en as un ou deux dans une multi, le problème, c'est que ces persos-là, la plupart, tu les reverras pas tout de suite, quoi. Il faudra attendre plus que 6 mois, peut-être, pour avoir des doublons, des trucs comme ça. Et c'est ça qui est problématique au niveau des invoques dans ce jeu, c'est qu'il y a cette gestion des doublons, alors qu'il t'en faut quand même techniquement 7, je crois, en tout. Faut 6 doublons si je me trompe pas. Le bonhomme plus Et 6 doublons, ouais. je crois que ça fait beaucoup quand même par rapport à comment Ah bah. la gestion du truc est fait et que la plupart du temps tu n'auras que des armes entre 1 et 3 étoiles en plus, c'est ça le pire, hein, c'est que c'est des loot. Ah oui, En gros, c'est complètement. comme Bah si après, tu avais du rare et du SR tout le temps. Donc si t'es free to play, c'est tu vois, je chaud. veux dire, si t'es comme Si moi, t'as la chance de sortir tu dois un payer, bah 80 poils une faut fois de temps payer en quoi. temps. Et je trouve que ouais, il y a un petit T'as des problème à mecs ce qui niveau-là. payent, ils veulent le perso, toutes ses constelles, donc ils Ouais. payent, et quand ils ont les 7 persos, bah ils arrêtent de payer sur le portail.
Et après, je sais qu'il y en a certains qui me diront, ouais, mais il y a le truc de la pitié, mais ça revient au même, parce que si tu gagnes rien grâce à Ah ça oui, revient toujours au complètement. même, c'est tout, ça deviendra juste un cercle vicieux. J'en suis la preuve, parce que je me suis servi d'acheter les trucs avec ce que je gagnais en contrepartie, mais si ça me redonne une multi de mètres derrière au bout d'un moment, qu'est-ce que j'en ai à foutre du système? Ah bah complètement. Si c'est pour avoir un autre 4 étoiles qui va rester dans un coin, parce que de toute façon, j'en aurai qu'un, je ne le pourrai jamais, parce que j'en ai un qui fait déjà la même chose. Je veux dire, je ne vais pas m'amuser à monter 40 persos, sachant que bah, pour monter les persos, il te faut quand même aussi, on l'a pas dit, mais il te faut quand même aussi avoir les items. Ah oui, Il il te te faut faut les les items armes, après, il te comme faut j'ai dit, les pour passer les items, rangs, et il te il faut faut les les... monter. Et Bah ouais, après c'est pareil, si c'est pour leur... quand t'as ton perso, il faut que tu le montes de niveau parce qu'il est niveau 1, il faut le monter Bah ouais, à un niveau puis tous les suffisamment haut 20, voilà, tous les 20 niveaux, pour pouvoir jouer avec. t'as Parce besoin que de faire le up. si là, tout de suite, je fais une multi, je touche Zhongli avec son niveau 1, je peux pas aller m'amuser à aller taper un mob dans le truc. Ah bah oui. Je vais lui mettre un coup, je vais rien lui enlever. Il va mettre un coup, il va me one-shot. Ah bah oui, bah ça c'est Parce que logique. vu que tu montes de niveau d'aventure, ton niveau personnel, les mobs, on change Oui, le c'est niveau. basé à ton rang d'aventurier en Bah plus. voilà, et À là quand je tu suis passes certains stades. arrivé à un truc. Je sais plus, je suis monde 3 ou monde 4, je crois, de difficulté. Et les mobs, ils sont pareils, ils sont 60, 70, 60, 70, un truc comme ça. Ouais, en gros, moi je me ferais éclater alors que moi je suis à peu près niveau 40 quoi. C'est ça. Et Sachant que je suis au rang d'aventurier 25-30 à peu près, il me semble. ah ouais, maintenant, je suis 40. 40 et quelques ou 50 et quelques, je ne sais plus, j'ai même pas. Je pourrais pas vous dire parce que je ne sais plus. Mais ouais, c'est. Après, il faut que tu. Une fois que tu as ton perso, faut que tu. Si tu as les ressources, c'est bon. Bah, je pense que c'est ça. Après, il faut investir dans un perso si tu vas Sinon, jouer bah, après, dans tous les à un persos, quoi. certain niveau, tu veux le monter 80 ou plus. Bah, il faut faire des donjons, faut faire des machins pour avoir les ressources. Oui. Et moi, pour l'instant, que je touche pas, j'ai touché Tardalia, mais j'ai pas envie de jouer avec parce que je l'aime pas. Même si c'est un S, un personnage S, top tier quoi, God tier. Ouais, gotcha, ouais. Pour l'instant, j'ai mon équipe, je joue avec, ça passe. Je voulais jouer avec Tartaglia, j'arrive, je peux pas. Y a Albedo qui m'intéresse. Bah, je vais voir si je vais toucher Albedo. Si je touche Albedo, je vais peut-être le monter. Je vais le monter. Mais voilà, si j'arrive pas à l'avoir, bah, je vais devoir rester avec mon équipe. Mon équipe Ah bah que j'ai ça sera de la actuellement. chance. Pareil, le jour où Allez. j'ai dit Luc ou quoi que ce soit. Bah quand t'as des persos sûrs, tu sais que tu joueras, de toute façon c'est plus facile d'investir dedans qu'un perso où t'as un doute, quoi. Ouais, complètement, complètement. Il y a un portail permanent qui a une monnaie différente que tu peux débloquer. Ouais, c'est le... Comment ils appellent ça déjà? Le portail de découverte, de bienvenue, je sais plus. Je ne sais plus, De mais il y commencement. a tous les persos, il y a beaucoup de persos dedans. Donc je me dis, quand j'ai la, quand je ne sais plus comment ça se fait, mais des fois la monnaie j'arrive à l'avoir. Et Oui, c'est la seconde monnaie. quand j'ai 10, je me fais une multi dessus et je vois ce que j'ai. Mais souvent j'ai de la merde quoi. La dernière Bah, tu sais fois. que je suis même... Je crois que j'ai jamais fait, moi, il me semble, ce portail. Ah bon? Ah Ouais. oui. Ou une fois, peut-être une fois. Je ne sais plus, j'ai un doute. Est-ce que c'est Je comme le ça que fais j'ai lu toujours sur pour le... avoir les deux deux persos que j'ai envie qui m'intéressent, Diluc et Chichi. Chichi Ouais, parce que mais comme il y a Jean dedans qui m'intéresse pas... c'est la meilleure des soigneuses et Diluc parce que c'est le meilleur DPS quoi. Bon, C'est le monsieur, on s'arrête ici pour Genshin Impact. Je pense que c'est pas mal. On ouais. a fait un peu le tour du sujet, quasiment 1 heure et demie. Ouais.
pense que c'est beaucoup. Bah, si vous aimez les gachas et que vous aimez l'univers de ce jeu, allez-y. Sinon, si vous n'êtes pas fan des gachas où il faut s'investir, Des jeux morcelés, des jeux de farm. bah non, laissez tomber. Allez sur un. Jouer à un vrai jeu au lieu de jouer à Genshin. Bah, il Ou vaut mieux alors faire un jeu solo ou coop. aller sur un gacha que vous êtes fan de la licence, genre Bleach, DBZ, One Piece. Je sais même pas si. Si, il y a One Piece. Si, One Piece, il y en a deux, je crois, en actif, il me Ou semble. autre. Bien que Bleach et One Piece, je ne connais pas. Je ne connais que DBZ, le Dokkan et le Dragon Ball Legend. Mais ouais. Allez sur AFK Arena, les gens, faire un vrai gacha, ils vous récompensent tout le temps, vous aurez toujours des persos. Là, vous aurez des élites, les gars. Je connais pas. Ou alors sur ce Mono Foire ou un truc comme ça. Non, mais AFK Arena, c'est le pire, c'est vraiment le pire gacha pour. T'es pas obligé de tout le temps jouer, c'est ça qui est bien, mais il y a des bons events, hein, mine de rien. Je suis tombé dedans, mais j'aime bien le système justement où ils ont fait ce côté casu, comme je disais, et ce côté où tu peux t'investir avec des genres de petits events, c'est des genres de maps. Et dans ces maps, en fait, en plus d'avoir les combats comme il y a dans les autres modes, il y a des systèmes d'énigmes. Genre à Halloween, tu sais, il y avait un truc, il fallait ramener le fantôme à sa maison, il fallait l'attirer avec les bonbons, avec les trucs Ah, à travers la map. c'est marrant ça. Et je trouve ça assez intelligent justement parce que il propose ce genre de jeu où tu vas pouvoir y jouer vraiment en casu, genre tu vas te dire je fais un petit peu d'histoire, t'enchaînes que des combats, ou la tour du roi c'est pareil, que tu fais que des combats, ça joue vite. C'est des combats qui durent c'est maximum une trente en fait. T'as du PVP, t'as de l'arène en gros, des trucs comme ça, et c'est vrai que le jeu, bah, il est paradin sur les persos. C'est ce que j'aime bien aussi parce que en vrai, en fait, ce jeu. Je crois que si tu fais 3-4 multi, déjà en fait dans le truc, le shop d'invoque, il te lâche au bout d'un moment une carte violette qui te donne automatiquement un élite. Tous les jours, il te donne de quoi accumuler des pierres, et ces pierres, quand on a 60, en fait, ça te donne un élite. Et je trouve que ce jeu se rapproche un peu plus du gacha, parce qu'il va pas forcément tout le temps te récompenser. Et pourtant, c'est un jeu qui est paradin dans la monnaie qui sont des diamants. Et il n'est pas non plus radin, et c'est peut-être même le jeu que j'ai vu le moins radin dans tous les gachas que j'ai pu jouer, parce qu'il te donne des récompenses quand il y a des mises à jour. Quand il y a des bugs de mise à jour, il te donne 600 diamants, sachant qu'une multi c'est 2700. Donc ça veut dire que tu as déjà à peu près un quart de ta multi, et qu'il peut y avoir plusieurs bugs quand il y a eu une mise à jour. Des fois, il y en a 2-3, donc tu te récoltes 1002 à 1008 diamants. Sachant que lui, tu as déjà donné 1002 pour la multi. Ouais. C'est quand il y a une mise à jour, il te les donne d'office. À chaque mise à jour, tu es sûr déjà d'avoir un peu comme fait miHoYo, où il te donne 60 par heure de mise à jour. Mais tu vois, eux, 60, les trucs qu'elles font à peu près, comment dire, 5 heures en moyenne chez eux, donc ça te donne à peu près 300 de primo. 300 de primo, ça te fait même pas de single. Tu vois ce que je veux dire, la différence quand je trouve le jeu un peu radin, c'est parce que je pense que j'ai joué à tellement de gacha que j'arrive un peu à combiner Ah oui, les non mais économies. complètement. Et je me dis que pour moi, dans le jeu, il y a un petit problème. Parce que même les récompenses quotidiennes, elles sont pas tout le temps actives. Des fois, pendant une semaine ou deux, t'as rien. Il n'y a pas de truc actif. Là, ça a été un petit peu plus resserré ces derniers temps, mais Après, j'ai trouvé qu'il y avait ce petit problème. je ne sais pas l'autre jeu il a combien de temps, mais n'oublie pas que miHoYo, enfin que Genshin. Après, ils ont fait d'autres jeux, peut-être des gachas et tout ça, mais Ouais, non, mais c'est pour ça que je surveillerai du coin de l'œil, mais je pense Genshin n'a que que. 3 mois, donc. Oui, non, mais je suis d'accord, c'est pour ça que, bah, comme je te dis, moi je suis toujours, même si la manette m'est tombée des mains, je suis toujours un peu quand même voir ce qui se passe, comme là 1.2 qui arrive. Je suis curieux de voir Ouais. ce qu'ils vont faire en fait. Justement, vers où ils vont tendre, parce que je me demande bah, dans un an ou deux ce jeu où il pourra aller, parce que le truc des gachas, c'est qu'ils sont faits pour durer pendant des années. Tu prends Dokkan, on est quand même. Je dis pas de bêtises, 6 ans en février sur la Jap. Donc l'année prochaine sur les deux versions sera les 6 ans quand même. Mais je veux dire, ils sont toujours là. Donc c'est des jeux qui sont là normalement pour durer sur des années, quoi. Pas, ils sont pas là pour durer 6 mois. Ouais. Donc à voir, je me demande justement, mais au bout d'un moment, à part sur l'histoire, sur des mini-events, si c'est à peu près toujours la même formule, le problème c'est est-ce qu'ils vont pas perdre des gens?
Mais bon, on va s'arrêter là parce que sinon on va continuer indéfiniment et on va plus s'arrêter. Je pense qu'on va passer à la suite. Voilà, la dernière partie, on fait la transition et puis passer bah, sur. Comme c'est Noël, c'est les fêtes. Comment on pourrait appeler ça? Bah, c'est la fin de l'année. Non, c'est la fin de l'année, mais qu'est-ce qui a marqué voilà, notre On année fait 2020? voilà, on fait un bilan de fin Comme d'année tous comme les ans, d'habitude et puis bah là un petit bilan rapide. on va faire un petit bilan rapide de cette année désastreuse. Désastreux. Le jeu vidéo s'en tire bien, je trouve quand même. Je Ah mesure oui, la complètement, réflexion, mais c'est pas la pire. nous Hein. qui avons Bah démarré oui. avec une pandémie ah ouais, non La mais pandémie, je pense que ça a touché justement tout ce qui est cinéma. On va en parler parce que forcément, on s'est posé la question en off et on se disait, ouais, qu'est-ce qui a marqué en film en 2020? Il y en a eu, mais ça a été compliqué parce que c'est passé par les plateformes de streaming et pas par les cinémas parce que les cinémas, la plupart du temps, étant fermés dans quasiment tous les pays. Mais c'est vrai, comme tu dis, ouais, Covid a touché, a impacté pas mal. Et le jeu s'en sort assez bien. Ça a été plus, je pense, pour les jeux à venir où on sent avec tous les retards. Les retards et le manque de consoles, par exemple, parce que 2020, mine de rien aussi, on en parle rapidement, mais ça a été l'arrivée de la nouvelle gen. La PS5, la Xbox Series. Ah, les Xbox Series, il y en a deux, pour le coup. Donc ouais, généralement c'est des bonnes années comme ça quand on a cette transition pour aller vers un changement de génération de console. Moi c'est quelque chose que j'aime, même si je fais partie de ces gens qui prennent jamais Day One et j'attends de voir parce que j'aime bien qu'il y ait suffisamment de jeux pour enchaîner plusieurs expériences plutôt qu'avoir quelques jeux ou pour jouer à mes jeux PS4 dans des conditions un peu meilleures vu que c'est la chance qu'on a par exemple avec les nouvelles consoles, que ce soit sur Xbox ou PlayStation. Je pense que le seul apport de pouvoir acheter des One, c'est que tu peux jouer à tes jeux d'anciennes gènes comme ça. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Est-ce que tu aurais d'autres idées comme ça? Tu fais des gros trucs marquants. L'arrivée de Genjin. The Fall Guys, Interville est sorti en jeu vidéo sans avoir une licence et plus cool que les jeux qui sont tirés d'Interville. C'est vrai, il y a eu Fall Guy. Les jeux, les jeux, Le Among le Us. Nintendo qui s'est régalé grâce à la pandémie. Enfin, au Ah, moment de la grâce à Animal pandémie, Crossing, ouais. ils ont sorti Animal Crossing. Grâce au confinement, ouais. Alors là, c'était le jeu du confinement. Là, les J'avoue, gens. ouais, Animal Crossing. Ah oui, et Animal Crossing est le jeu du confinement. Ah bah carrément, on peut le dire. T'avais pas le droit de sortir, Y a eu tu savais pas Among quoi Us faire, aussi. Hein. bam. Among Us hein, sur mobile et sur PC, qui a Among Us cartonné en septembre. qui n'est pas un Ouais, jeu de l'année, qui est un jeu qui date de quelques années 2018. d'arrière, de 2018. 2018. Tiens, justement, j'ai une question par rapport à ça. Je voulais ton point de vue assez rapide. Among Us sorti en 2018, élu meilleur jeu, je crois, multijoueur, il me semble, la catégorie de 2020. Est-ce que ça te pose problème ou pas? Ouais. On est d'accord. Moi, je suis d'accord avec cette logique. C'est comme si on me disait, bon, DiCaprio, il n'avait pas eu jusqu'à ce qu'il ait son Oscar avant qu'il l'ait eu. Tu vois, les années avant, on aurait dit, ah les gars, on met meilleur acteur Titanic, DiCaprio. Ouais, mais le film, il était sorti il y a longtemps. C'est pas Ouais, grave, mais il y a c'était eu le un meilleur acteur. Il remaster. n'y avait pas de film On cette année. a fait un remaster Ah non, même pas. Tu dis, il n'y a graphique, pas eu de machin. film. Pandémie, il y a eu trois films, ils sont tous pourris. C'est vrai. Tu vois, non, mais on est d'accord, donc c'est pas moi qui suis fou, c'est la logique, elle est comme ça. Parce que moi j'ai vu des gens s'insulter sur Twitter. En tout cas, j'ai vu un mec se faire agresser sur Twitter pour avoir osé dire ça. Mais je suis tellement d'accord. Comment tu peux mettre dans un Bah top oui. 2020 un jeu? Pour quelle À raison? En fait. ce moment-là, bah cette année, on a qu'à remettre en ligne, en lice, je sais pas, GTA Non, 5. mais dans ces cas-là, Fortnite, tu peux le mettre tous les ans. Ah bah GTA 5 aussi, hein. Dans les jeux multijoueurs. Les mecs, il y a toujours des gens qui jouent dessus. Ah oui. Ouais, non, mais c'est ça. Tu pourrais ressortir des jeux du passé juste pour remplir ta liste. Non, c'est justement, je pense que si c'est pour telle année qu'on fait une cérémonie, par exemple, il faut que ça récompense quelque chose qui a été sorti de la même année parce que Regarde, sinon c'est trop simple. Super Mario Bros 1, il est ressorti en Game & Watch. Oui. Est-ce que ce serait pas le meilleur jeu mobile? Parce que tu te promènes avec ta Game & Watch et c'est Super Ouais, non, Mario Bros mais 1.
Bah voilà. Ouais, non, mais tu vois, c'est ça le problème. Donc C'est... ça, j'ai pas Mais envie. ouais, j'ai vu un mec, alors j'ai plus son nom, mais il C'est s'est de la fait merde. insulter, le Ah oui, pauvre. Il non s'est fait... On mais. lui a sauté dessus. Mais vraiment, genre, fils de pute, ouais, c'est quoi tes conneries? Non, le mec, il a juste raison. C'est... Bah Pour moi, en fait, carrément. je pars du principe, c'est pas parce que des influenceurs, déjà, influenceurs, excuse-moi, en quoi t'es influenceur si le jeu, tu l'as découvert 2 ans après? Mais si eux s'étaient pas mis sur le jeu, en fait, le jeu, il aurait jamais cartonné et finalement, il aurait fini dans un fond de poubelle, quoi. Et c'est ça qui est malheureux. Surtout que les mecs ils l'avaient pas vraiment annoncé, mais ils disaient ouais on était en train de faire on était parti pour Ouais, faire il y un avait le 2, doute. on était parti pour Ils faire l'ont un 2, annulé. finalement on l'annule Bah oui, ils sont pour se pas cons, les concentrer sur mecs. le 1 parce En qu'il deux y mois, a, ils ont gagné plus que pendant 2 ans. parce qu'il y a eu un regap de d'intérêt, bah ouais. Bah oui, il faudrait être con de dire on vous annonce le 2. Mais ouais, non, je pense que c'est des gens. En fait, c'est le problème de cet internet, justement, où, bah, mine de rien. Et c'est pour ça que je préfère dire, moi, je donne un avis, voilà, sur mon expérience, si c'est un jeu, si c'est un truc que j'ai vu, et pas dire, ouais, ça vaut parole d'évangile, il faut y jouer, il faut regarder, parce que c'est moi qui vous le dis. Non, c'est chacun sera différent, malheureusement, et tu peux aimer venir voir ce que je fais, c'est pas pour ça que tu auras forcément tout le temps envie de jouer au jeu, parce que c'est peut-être pas ta came, c'est peut-être pas le truc finalement, et que tu pourrais te faire hyper bêtement pour un truc qui t'intéresse pas du tout en vrai. Une fois que tu auras la manette en main sur un jeu, bah, peut-être que tu vas te rendre compte que c'est pas le même ressenti que regarder le truc et te dire ah ouais, non, mais finalement ça avait l'air mieux quand le mec y jouait. Tu vois ce que je veux dire? Et non, tu peux pas sortir, venir 2 ans après, c'est que tu t'es raté quelque part pour moi. T'es pas influenceur si t'as découvert le truc 2 ans après. Ah bah non. C'est comme si tu disais, Ah non t'arrivais mais en c'est... 2020, les gars, j'ai goûté les hamburgers, c'est trop de la balle, faut que vous en mangiez tous. Mec, ça fait 40 ans qu'on mange tous des hamburgers, qu'est-ce que tu fais là? Oh, rentre chez toi, vite, va te cacher avant qu'on t'entende. S'il y a quelqu'un qui t'entend, là, tu te fais lâcher, mec. Bah c'est clair. Donc allez, on est parti, j'ai envie de dire, bah, je te laisse la première main. Premier truc, donc on a dit comme toujours, hein, trois trucs qui nous ont bah, marqué d'une façon ou d'une autre, que ce soit film, série, Bah jeu cette vidéo, ce qu'on ouais veut. cette année j'ai découvert l'anime Demon Slayer. J'ai pas le nom jap Kimetsu no Yaiba. c'est ça. C'était génial. Putain, j'ai pas pensé à ça. Ah, j'ai honte. C'était génial. Moi Oh putain, j'ai envie de pleurer de honte. Ah, j'ai des larmes aux yeux, je t'avoue. j'ai Parce que. adoré. Oh. Non, mais tu te rends compte que. J'en ai les larmes aux yeux, j'ai honte. Alors que ça fait des semaines que je Alors me dis, que putain, il faut que je mate le film. c'est Dark J'ai Miss trop qui envie de voir le c'est film. Dark Miss qui m'a Ah, en montré plus, ouais, je l'ai conseillé. qui m'a dit ouais Oh. regarde cet anime Oh machin. putain, comment Bon, j'ai honte. j'ai pas vu le film qui le film qui Mais est je l'ai pas encore vu non qui est plus. la saison 2, mais si si, c'est ça. C'est la saison 2 Ouais, non, qu'on mais c'est la suite, ouais. Mais Ouais, c'est attends. la en fait la saison 2 Attends, ils ont fait je un sais film. plus. Si si. C'était pas la 3, il n'y a pas 2 saisons déjà? Non, il y en a qu'une. Sûr? Sûr. Putain, pourquoi je vois ça en 2 saisons, moi? J'ai l'impression, hein. Mais normalement, Sûr de toi? si je dis pas de conneries, c'est la saison 2. Hein. Non, ouais, c'est le film, ouais, si, c'est ça. Pourquoi je vois 2 saisons là-dessus alors? Non, mais je sais pas pourquoi. Ouais, non, mais c'est moi qui voyais en 2 saisons. Non, il y en a qu'une, ouais. Ouais, non, mais le manga, il est fou, il est ma boule. Le manga, je sais pas, j'ai pas lu, mais l'anime. Bah, non, mais j'ai vu l'anime, quoi, mais Ah je oui. sais que le manga, de toute façon, il est à peu près dans la même veine. Hein. Les persos. Ah non, je te rejoins, j'avoue que. Putain, je suis passé à côté de ça. En même temps, c'est parce que je l'ai vu il y a quelques mois en arrière et. Mais je suis passé à côté de ça alors que ça fait des semaines que je dis il faut que je regarde le film parce que j'ai trop envie de voir. Quand j'ai vu la fin avec le teasing du film à la fin du dernier épisode, je me suis fait mais putain, je veux voir le film, je veux voir le film. Le film qui est passé, qui est sorti il n'y a pas longtemps au cinéma et... Ben, au mois d'octobre, mais chez nous, je sais pas comment ça s'est passé justement. Ça, le problème avec avec les confinements, ça a été un peu le bordel. Et bah, il a cartonné au Japon. Au Japon, il a cartonné, ouais, ça fait. Pouah! Il y a le mec, tiens, petite anecdote, si je me trompe pas, parce que je crois que c'est par rapport à ça. Il y Ah a oui, j'avais le oublié, petit. Il y a merde! le mec de Ghibli.
qui a lancé une petite pique justement par rapport à ça. Alors j'ai plus le truc exact parce que ça remonte à un moment que j'avais lu ça, mais quand un journaliste est venu l'interroger pour lui dire qu'en gros bah Demon Slayer avait défoncé tout et que c'était en gros le numéro 1 maintenant au Japon en termes d'entrée, si je me trompe Ah pas. bah je vais le mettre dans les moins bien. Et il a lancé une petite pique du genre ouais je pourrais faire mieux quoi, c'est à notre époque c'était pas pareil. Mais tu vois, ça sentait le. J'ai plus le truc exact, faudrait que je Ouais. retrouve, mais la petite cassure, quoi, ça m'a fait marrer. Ça va pas faire play, mon gars. Pourtant, Dieu sait que j'aime Ghibli, hein, mais j'ai fait, mais c'est pas fair play, là. C'est quoi, on dit un chacun ou je dis tout et après tu dis tout? Ben, chacun, c'est plus marrant. Ouais. Attends, parce que j'ai pas fait de liste. Bah, moi, c'est mon number one. C'est à cause de ça aussi. Voilà, c'est à cause de mon number one que. Pour moi, je t'en ai parlé la semaine dernière. C'est Hades, un jeu vidéo de Super Giant Games. Alors Donc. non, je suis pas d'accord avec toi parce que il date pas de 2020, il était déjà en bêta, j'ai vu des mecs le tester en bêta Bah, ça compte pas les bêtas, l'année monsieur. dernière ou il y a 2 ans, donc Sortie officielle, monsieur. Sortie officielle, c'est sorti cette année. Mais il est sorti déjà, Non, il est version sorti. finale, c'est cette année. Non, un Il truc vient où de que t'as pu sortir. y jouer il y a 2 ans. Bah, dans ces cas-là, il y a plein de jeux, alors, hein. Mais non, c'est la version finale qui compte, monsieur. Je suis désolé. Sinon, c'est de la triche. C'est toi qui es en train de tricher, là t'es en train de nous faire un Among Us. Non, c'est faux. Hades est sorti cette année, je suis désolé. Sa sortie officielle, c'est cette année. Après la sortie initiale, je veux bien, c'est 2018 aussi, mais c'était Bah, de je sais la pas, moi tous les bêta. gens ils sont en fond sur Hades, quand j'ai vu le jeu, j'ai dit, bah j'ai déjà vu le jeu là. Bah oui, non mais parce que c'est il n'y avait pas la version finie, voilà, c'est pour ça que j'en ai pas parlé avant moi. Parce que moi D'accord, j'essaye oui, toujours bon, ce d'accord. genre de jeu, j'aime bien y jouer parce que je t'en ai déjà parlé, mais il y a un problème que j'ai avec les jeux, c'est que quand ils jouent souvent embêtant, on te rajoute des trucs, souvent moi ça me casse le trip, et au bout d'un moment je profite pas du jeu dans sa vraie comment dire ça, dans sa vraie forme finale, et bah finalement souvent je goûte jamais à la version finale. D'accord, Un donc peu comme je te l'accepte. il y a eu le problème, tu vois, par exemple, avec le jeu, comment il s'appelle merde, le jeu avec le truc de la coke, de la drogue, de la joy, je crois que ça s'appelle dedans. Le truc avec le. Ah merde, comment il s'appelle ce jeu qui est pareil, qui est sorti il y a 3-4 ans en accès anticipé, et qui est sorti il y a peut-être un an ou deux en version finale. Ah mince. Aucune idée, je vois pas du tout. Ah, j'ai pas le jeu. Ah, c'est horrible. J'ai la jaquette dans la tête et j'ai pas le jeu. Donc, ouais, la sortie officielle, C'est c'est toi qui es de la jaquette. 17 septembre 2020. 17 septembre 2020, monsieur. Sortie 1.0, hein, j'entends bien. Donc, c'est pour ça que moi, je l'ai choisi pour cette année. Parce que, et je te signale D'accord. qu'il était dans les Game Awards en tant que version finale. Donc, là, Mangus je suis aussi, il d'accord. était dans les Game Awards. Non, Among Us, c'était pas une bêta, c'est faux. C'est faux, monsieur. C'était pas, il était déjà fini, c'est juste que le contenu était peut-être différent parce qu'il y a encore du contenu qui se rajoute. Mais là aussi, il y a des builds après, mais c'est des petits ajustements, des petits trucs quoi. Mais le jeu a enfin sa forme complète et avec beaucoup d'ajouts depuis surtout parce que je crois que tout ce qui est pet et tout, ça devait pas y être au début. Non mais franchement, parce que ouais, c'est le jeu où je m'amuse, je suis pas obligé de passer ma vie dessus. Donc c'est vraiment un jeu qui m'a marqué. Voilà, j'essaie de la faire courte, mais c'est vraiment un putain de roguelike. Pourtant, j'en ai fait pas mal. Le seul qui m'a marqué autant ces dernières années, c'est Isaac. J'aime beaucoup Isaac et j'ai passé du temps dessus. Et j'avais pas retrouvé ce plaisir dans les roguelikes depuis Isaac. Et lui, il m'a redonné cette pêche, m'a donné plaisir à jouer parmi les dieux, surtout avec une DA magnifique. J'aime aussi le côté où les dialogues, à chaque fois que tu reviens, c'est jamais les mêmes phrases. C'est exceptionnel de retomber sur une phrase en double. Il y a des petits défis, par exemple, quand tu tombes sur Thanatos. Alors ça, j'ai vu un truc. Bah tiens, je vais finir avec une anecdote pour dire pourquoi c'est mon jeu. En fait, quand tu vas à un certain point dans ta run, tu rencontres Thanatos, qui est ton pote dans le lore du jeu. Et en gros, il t'explique qu'il n'est pas là pour t'arrêter comme les autres, parce que bah, lui, il s'en fout. Et il te fait ouais, mais je te mets au défi. Il te dit voilà, on est dans cette salle, on fait pop des mobs et celui qui en tue le plus sur un certain temps, c'est lui qui gagne. Si tu gagnes, t'as deux cadeaux en fait au lieu d'un. Donc ça peut toujours être utile. Et si tu perds, t'en as qu'un. T'as pas grand-chose à part prendre le risque en gros. De toute façon, t'as pas le choix, t'es obligé de le faire, mais tu prends juste le risque de perdre de la vie ou des trucs comme ça.
Mais le truc, c'est que la dernière fois, je suis tombé sur sa date. J'ai pas compris, il m'a mis la misère. Alors, la plupart du temps, je l'explose, mais il en tue quand même quelques-uns. C'est genre du 15 ou 20 pour moi, et lui, il en a entre 5 et 10. Mais la dernière fois, il m'a mis genre un 26-0. J'ai fait, qu'est-ce que tu fais, Thanatos? Qu'est-ce qui t'arrive? Le mec, il m'a mis la branlée. J'ai fait, mais qu'est-ce qui t'arrive? Le mec, il me laissait toucher que dalle. Le mec, il faisait du 10 000 de dégâts à tous les mobs. J'ai fait, mais qu'est-ce que tu veux? En plus, le mec, il fait que des AOE. J'ai fait, tu te fous de ma gueule là. Le mec, il m'a vraiment pris une run, il m'a dit, c'est bon, tu m'as mis des raclées pendant 10 runs d'affilée, tu calmes un peu. Mais il m'a vraiment mis un gros stop. Donc ouais, c'est pour ça que c'est le jeu pour moi, parce que c'est un jeu aussi de création de build, où chacun peut y aller avec sa façon de jouer, il peut faire ce qu'il veut avec le type d'arme qu'il aime, ce qui n'est pas toujours le cas, parce que généralement l'arme est plus propre au perso dans les roguelikes. Là, je trouve ça assez cool de pouvoir choisir son arme avant de se lancer et de pouvoir délirer. Par exemple, si on prend Neon Abyss, qui est un jeu aussi de cette année en roguelike, bah lui, c'est les armes, c'est random, c'est toi qui les achètes pendant ta run. Et là, je trouve ça assez cool. Et que malgré que tu choisisses ton arme, tu pourras la faire évoluer d'une façon ou d'une autre pendant ta run aussi. Ça aussi, c'est cool. Donc voilà, je pense que Hades, c'est vraiment un jeu sur lequel, bah, si on aime les roguelikes, si on aime se tracasser un peu. Un peu, je pense, pour les fans de Diablo qui aiment monter des builds pour les persos, bah, ça peut. Je pense que c'est ce côté Diablo, ouais, qui m'attire. Parce que dans Diablo, tu vas farmer tes pièces. J'aime le farm, tu vois. Ce qu'on retrouve pas dans Genshin, c'est dans Diablo, j'ai pas honte d'aller faire 50 failles pour aller chercher les pièces qui m'intéressent pour un set, pour monter mon build. Parce que c'est fun, parce que je vais m'amuser, j'en ai rien à foutre. J'adore défoncer des hordes, des palettes de démons. Ça me fait tellement plaisir. Et il manque ce côté jouissif, je pense, dans Genshin. J'ai pas ce côté-là. Donc ouais, Hades pour moi, meilleur jeu 2020, en tout cas meilleur amusement sur lequel j'ai pu passer en cette fin d'année, et que je continuerai encore en 2021, je pense, hein, parce que je vais passer encore quelques semaines ou mois dessus pour faire le tour. Il y a tellement beaucoup de choses à faire. Donc je te laisse la main pour ton deuxième choix. Et ne me fais pas pleurer. Une série qui s'appelle Upload. Upload. Je vois même pas ce que c'est, je t'avoue. Si, Alors, peut-être dans la le nom, série, ouais, vaguement. donc dans la série, quand tu es proche de la, enfin, quand tu vas pour mourir, tu as le choix. Soit tu peux être téléchargé dans une base de données Ah oui, voilà pourquoi je connais le concept. pour Ouais, j'avais rester lu le Psygnosis. entre guillemets immortel. Ouais. Ou tu meurs directement. Et donc dans ce truc-là, il y a un jeune homme qui a un accident de voiture. Il se retrouve à l'hôpital. Les médecins lui disent, vous avez quelques blessures, mais vous pouvez. On peut, si vous voulez prendre le risque, on peut vous soigner. Et il y a sa copine qui fait partie d'une famille riche qui lui a dit non, non, on va pas prendre le risque, on va l'uploader. Donc lui, il hésite et tout ça, et finalement, il y a quelqu'un qui prend la décision, on l'upload. Et donc il se retrouve dans ce truc-là où, selon ce que tu payes, et c'est ça le truc. Tu as plus ou moins de. T'es dans un endroit plus ou moins privilégié, quoi. Et cette série, c'est une série qui a de l'humour, qui a une histoire aussi. Parce que finalement, on en apprend plus sur les. Comment ça se fait que le. Bah comment ça se fait qu'il a eu un accident de voiture et tout ça. Et ben j'aime beaucoup. Elle est sur Amazon Prime, elle dure pas longtemps. C'est la saison 1. J'ai hâte d'avoir la saison 2. Ah bah je regarderai, tu vois. En plus, il y a une sorte de. Bah pareil, hein. Il y a un cliffhanger, enfin un retournement de situation à la fin de la série. Et ouais, franchement, je te la conseille, tu regardes, on en reparlera. Attends, je vais l'écrire dans un coin. Upload. Parce C'est que je ça. sais que je l'ai vu passer, donc voilà, série. Comme ça, je l'ai dans un coin. Qu'est-ce que j'allais dire? Oui, le jeu, c'était We Happy Few.
Donc le jeu qui était pété dans tous les sens du terme quand il est sorti en alpha ou en bêta, je sais plus, et qu'une fois que le jeu était en version définitive, bah, j'y ai jamais joué parce que j'avais tellement vu le jeu cassé Ouais. à l'époque que bah, ça m'a pas donné envie, que le jeu finalement bah, il n'était pas si ouf que ça en plus, À mais toi. qui méritait d'avoir des idées. Je vais rebondir sur toi, bah, je vais rester sur des séries. Alors j'aurais pu dire Mandalorian. Franchement, parce que je pense que c'est une. Elle est pas sortie cette année. Si, en Non, France, non, si, effectivement. c'est écrit. Ah bah je sais pas, moi Non, non. j'ai tapé, j'ai vu que c'était. Ah, bah, tu vois, tu t'es loupé, monsieur. Bah non, c'était l'année dernière Parce puisque que. la saison Ah 2 elle oui, est la là. VO. Non, Oui, parce que. la saison 2 elle est cette année. Ben non, Bah si. Hein. Disney Plus. Mais non, Disney Plus est sorti au mois de mars chez nous cette année, lui, parce qu'ils ont été obligés de le reculer à cause du confinement, justement. Vérifie la date de sortie en France de Disney+, et tu verras que y a un problème. Et oui, elle est bien sortie en VO à la fin d'année dernière. Ça, je te confirme, parce que je l'ai vue en VO, personnellement. Mais de Année toute façon, je choisirais. 2019. Donc Oui, la sortie originale, en américain. ouais, là Techniquement, tu n'as pas le droit tu de me fais l'avoir, d'Among Us monsieur. là, Non, bah, elle n'existait pas chez nous, donc tu n'es pas Bref, obligé de je te l'avoir vue en l'accorde, je te 2019. l'accorde. De toute façon, Et puis, j'ai kiffé aussi, donc je te l'accepte. franchement, elle est sortie juste avant les fêtes en plus. Elle est vraiment sortie à la toute fin d'année, donc tu aurais pu surfer et regarder comme il y a quand même pas loin d'une dizaine d'épisodes. Tu n'étais pas obligé de l'avoir fait toute la saison sur les vacances, par exemple, si tu travailles. Mais je choisirais pas ça de toute façon, parce que, comme tu dis, en plus, il y a eu la saison 2, donc on en parle beaucoup ces derniers temps. J'attends qu'elle soit complète pour la mater justement. Mais non, je La veux semaine partir. prochaine, ce sera complet. Ouais, bah justement, c'est ce que j'attends moi. Non, moi je veux partir bah, sur une série Netflix qui est un truc rien à voir. C'est un genre de documentaire. Ça s'appelle Alien Worlds en VO. Et chez nous, c'est Les Mondes Extraterrestres, je crois, si je ne me trompe pas. C'est une traduction littérale, hein, à peu près. Qui est plutôt sympathique, plutôt joli et plutôt bien foutu. En fait, on prend le pitch de départ que on prend ce qui a permis de créer la vie sur Terre, donc l'eau, etc. Vraiment les bases. Et on essaye de. En fait, le documentaire nous parle, je crois que c'est en 4 épisodes de 40 à 50 minutes. Et en fait, on nous parle des. Alors, je vais pas très bien le vendre. Parce que vu que j'ai pas lu le synopsis, c'est pas évident. Je le fais par rapport à comment je le ressens, mais c'est toujours expliqué au début, donc c'est assez facile. En gros, on nous explique que depuis quelque temps, on a découvert énormément de planètes, soit assez proches de la nôtre, soit des variantes. Donc ça peut être des variantes où on a des extrêmes comme très chaud, très froid, trop de gaz par exemple à la surface. Donc il y aurait moins d'oxygène et plus par exemple d'hydrogène ou de trucs comme ça. Et en fait, on nous montre bah, une évolution différente qu'il aurait pu avoir sur ces planètes habitables. Donc, par exemple, si je prends une planète habitable où il fait d'un côté trop chaud et d'un côté trop froid parce que bah, sa révolution, c'est pas la même que la nôtre, bah, par rapport à son axe, et bah, on nous explique bah, il y a tel petit type d'extraterrestre qui va comment dire, se développer. Et on va nous expliquer en gros bah, pourquoi ce serait plus ce genre de choses, parce qu'en fait on apprend que bah, comme dans n'importe quelle planète, l'évolution veut que bah, on s'adapte pour survivre. L'humain depuis de plus de 200 000 ans maintenant, ou, je crois si je ne me trompe pas, les 250 000 ans, un peu plus, je ne sais plus. Le premier humain qu'on a retrouvé qui a pu exister, j'ai plus le truc, mais ça doit être à peu près ça. Bah, on a vu qu'il y a une évolution pour s'adapter et survivre à l'évolution de sa planète. Et donc là, c'est un peu pareil, on nous montre bah, 6 000 ans comment d'après les plus. chrétiens. Mais non, pas 10 000 ans, monsieur. Six On mille, l'avait déjà six avant. mille ans avant les chrétiens. Ah, 10 000 ans. D'après les Non, chrétiens, ça me c'est paraît trop 6 000 ans court. Non, non, c'est trop court, c'est faux. On a la prouvé avec création de Lucie l'homme. et autres. La naissance d'Adam et de Ève, c'est 6 000 ans. Donc oui, et donc en fait ouais, ça nous fait visiter des planètes avec bah, des variantes.
En fait, on prendrait. C'est comme si on avait un jeu de création. On nous donnerait des planètes et on aurait un jeu, tu sais, un sim simulateur avec des races, etc. Et en fait, hein, tu découvres un peu ça. Et on fait, en fait, tu as toujours des comparaisons entre ce type de planète et la Terre. Donc, en gros, bah, par exemple, tu vois, une planète qui aurait une gravité moins forte que la nôtre ou plus forte que la nôtre, par exemple. Qu'est-ce que ça entraînerait? Et pourquoi, bah, il y a une certaine, par exemple, une espèce volante, bah, elle va, comment dire, vivre en étant quasiment que dans les airs, sans s'arrêter. Et donc, tu as tout un petit truc autour de ça qui va prendre des petites choses de la Terre et on va comparer, bah, si chez nous, dans certains trucs extrêmes, ça existe, pourquoi ça n'existerait pas sur une planète qui est aux confins de l'univers et avec bah, qui donnerait naissance à une vie différente que la nôtre. Donc avec des races différentes, avec des espèces différentes qui vont elles-mêmes s'adapter. Alors il y a des trucs assez marrants, des trucs assez hardcore quand même, selon son affinité avec les choses. Il y a des trucs assez chelous, mais franchement ça vaut le coup, ça vaut vraiment le coup de voir ce que pourrait être. Parce que c'est vrai qu'on voit toujours les extraterrestres d'une certaine façon. Et là, ça te montre que les extraterrestres, c'est pas forcément ce qu'on voit au cinéma ou ce à quoi on s'attend. C'est pas forcément une forme d'intelligence comme on l'entend finalement. Et donc c'est assez marrant parce qu'on a aussi, par exemple, il y a un épisode sur les consciences collectives et un genre d'IA, tu sais. Ah oui. Et pardon, le dernier épisode que j'ai pas fini de voir, tiens justement, faut que je le regarde là ce soir pour finir. J'ai pas vu à la fin. Parce que souvent je me mets ça après un film ou après une série, tu sais, quand il me reste une demi-heure, 1 heure, je me dis tiens, je mets ça. Et le dernier, j'ai pas eu le temps de le finir, et pourtant c'est peut-être un de ceux qui m'intéresse le plus par rapport à ça, le côté conscience collective qui m'a rappelé un peu Psycho Pass. Donc ouais, je vous recommande parce que c'est plutôt sympa et c'est bah, ceux qui sont curieux sur ça. Ou les Tommy Knockers. Ouais, voilà, c'est un peu cet esprit. Mais là, c'est un système un peu dans des genres de boîtes ou des trucs, c'est assez particulier. Ouais. Ils vivent à travers, c'est des drones ou. Ouais, je crois que c'est non, c'est pas des drones, je sais plus comment ils appellent ça. Ouais, je crois que c'est des genres de trucs. Ah, j'ai plus le nom, mais des genres de drones qui interagissent pour eux, tu vois. Genre, ils les gèrent à distance pour faire les tâches qu'ils ont besoin pour maintenir leur survie. Un peu comme les abeilles. Voilà un peu cet esprit-là, ouais. Donc, ouais, c'est assez sympathique. Donc, vas-y, à toi. Bah moi je alors j'ai pas joué mais j'ai vu et je parce que je n'ai pas la console et je le trouve j'ai trouvé le jeu original et très bien. C'est le Paper Mario Origami King que j'ai beaucoup aimé. Perso, je pourrais pas venir te soutenir là-dessus parce que même si j'ai la Switch, c'est un jeu que j'ai pas spécialement vu, pas spécialement suivi. Parce que j'ai un peu D'accord. de mal avec les Paper Mario, je les perds toujours en route. Bah celui-là, avec le côté origami, Bah j'aime bien l'univers en fait, tu vois le truc, mais c'est plutôt le système de combat moi qui me Ah dérange. bah là, c'est du tour par tour. Ouais, je sais, non, mais c'est toujours du tour par tour. Mais c'est le système, tu sais, avec le système de. Alors, je sais pas comment ça s'appelle parce que je me suis pas renseigné et C'est que avec j'ai vu que ça sortait. c'est avec une roue en fait. Ouais, voilà, c'est avec le système de rotation. Oui, c'est ça. En fait, ton but, c'est de mettre, c'est Faire des d'aligner, lignes. c'est d'aligner les ennemis ou les mettre en carré. S'ils sont alignés, tu peux, si t'en as quatre alignés, tu sautes dessus. Bing, 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 bing. Tu sais, comme Mario qui saute sur les monstres. Ouais, tu sautes Ou sur leur tête. quand ils sont quatre, c'est-à-dire bah, l'un à côté de En l'autre. croix. Ah non, ouais, à l'horizontale, dans l'autre sens, quoi. Non, non, Pas face à toi. c'est deux sur une ligne et deux sur la ligne d'à côté. Ah d'accord, donc le carré que tu disais au début. Un carré. Et ben là, tu sors un marteau et boum, tu les tapes. Et le marteau tape les quatre d'un coup, en fait. Et c'est à toi de. T'as un temps au début, dès que le combat commence, et c'est à toi de bouger la roue pour les Ouais, ça aligner, c'est tout ce que j'ai vu. ça. Et ça, Non, mais après, les c'est Paper cool. Mario sont souvent cool, hein. Ah oui, Mais c'est vrai que généralement, malheureusement, à cause des trucs des systèmes de combat, ils me perdent en route. Malheureusement, c'est dommage parce que c'est c'est des jeux que vrai. j'aime beaucoup. J'aime bien pour Et l'ambiance et. moi j'ai vu, enfin, je l'ai pas vu tout le jeu, mais j'ai vu
bonne partie du début. Et si j'aurais eu la console, c'est un jeu que j'aurais acheté. Et je parlerai aussi de, vite fait, dans les jeux Vas-y, vidéo vas-y. toujours, Street of Rage 4. Ah, j'ai pas encore joué, mais Moi ouais, non, j'avoue que j'attends. plus, j'ai pas voulu lancer l'histoire, j'ai juste vu un peu de baston comme ça. Et bah déjà, Ouais, non, mais moi ça me plaît, hein. C'est juste Street of Rage dans ça l'âme. fait revenir à nos souvenirs d'enfance quand on jouait à Street of Rage. Et là, avec le côté, comment on appelle ça, jeu de nouvelle génération, où là, tu débloques des personnages de différentes licences, Street of Rage 1, Street of Rage 2, Street of Rage 3, tu peux avoir le même personnage mais qui vient de ces trois univers-là, donc qui n'a pas les mêmes pouvoirs. En plus, tu as des nouveaux persos qui sont arrivés et tout ça. Donc, Les persos à débloquer aussi. j'ai, Donc ça c'est sympa. tout à fait. Et donc, avec leur design d'antan, Oui. pas leur design refait, ils auront leur chara-design d'antan. Donc, si par exemple tu prends un perso de Street of Rage 4 et moi je prends le héros du 1, bah On n'aura pas le même skin. on n'aura pas le même skin et tout ça, et ça sera différent à l'écran. Mais le jeu, je l'ai trouvé super beau, j'ai vachement envie d'y jouer. Je sais qu'on va le faire à deux, quand je ne sais toujours pas, mais c'est obligé qu'on le fasse. Oh, je Voilà. pense que ça finira par tomber, ouais, ça je suis d'accord. Je Voilà, pense voilà. qu'à un moment donné, faudra se lancer dessus. C'est tout pour moi. Bah moi le dernier, ça aurait été bah, forcément le film qui m'a marqué cette année, c'est j'y ai pensé il y a 10 minutes à peu près, parce que je me suis dit, mais comment j'ai pu passer à côté de ça? C'était le film d'animation Dragon Quest. Parce que c'est vraiment un film que j'ai trouvé marquant, que j'ai adoré, que j'ai revu plusieurs fois. C'est un des rares films que j'ai revu sur sur cette année au moins 3 ou 4 fois. Mais comme on en a parlé beaucoup, j'avoue que j'ai pas envie de refaire un truc dessus, donc Ouais, c'est vrai je le mets là. il était bien. Mais c'était vraiment une très belle expérience, il m'a vraiment Celui-là beaucoup et marqué. le Ni no Kuni aussi qui avait. Ouais, mais je l'ai préféré quand même à Ni no D'accord, ouais. Kuni. On l'avait dit à l'époque, Oui. on en avait parlé, c'est pour ça que Mais je retiens oui, c'est vrai celui-ci. qu'il est il a un poil au-dessus quand même, hein, le Dragon Quest. Ouais, il est quand même un peu mieux fini, je trouve. Même esthétiquement, sur les. Je sens quand même la 3D et tout. C'est magnifique, Ah visuellement. bah carrément. Je sens que sur Ni No Kuni, il y avait des petits ratés, on en avait parlé. Sur le mélange entre la 2D et des fois la 3D qui faisait un petit peu tache sur certains aspects. Mais après, c'est pas rebutant parce qu'on garde vraiment cet aspect, pardon, Ni No Kuni. Et non, c'était. Après, il est bien aussi. Non, justement, comme c'est les fêtes de Noël, bah, tu sais Et quoi, je vais pif, proposer 2 films de Noël rapides. vas-y. Deux films de Noël atypiques, parce que le premier c'est celui avec Kurt Russell qui est sorti il y a quelques jours en arrière, c'est Les Chroniques de Noël. Donc on est avec un Père Noël un peu rockstar, je sais pas si on peut le dire comme ça, mais c'est Kurt Russell quoi, donc ça pouvait pas être un Père Noël Ah, lambda. j'ai vu la pochette, enfin j'ai vu l'affiche, mais j'ai pas regardé encore. Franchement, je te le conseille. L'histoire est pas folle, j'avoue. Elle vaut pas peut-être le 1. Le 1 était peut-être meilleur, je sais pas si tu l'as vu. Non, je savais même pas qu'il y avait un 2. Je te recommande le 1 aussi, hein, parce qu'il vaut le détour. Mais le 1 est peut-être plus prenant. Le 2 est sympa. C'est peut-être le méchant qui est pas ouf, Le 1, il qui s'appelle casse un aussi les petit peu le Chroniques de truc. Noël? C'est les Chroniques de Noël, ouais. D'accord. Mais ouais, il y en a deux. Celui d'avant est sorti l'année dernière, en fait. Noël dernier, donc c'est pour ça que je l'ai vu, je m'attendais même pas, je l'avais pas vu qu'il devait sortir et je suis tombé dessus, j'ai fait ah ouais putain faut que je le vois. Et franchement non mais tu passes un bon moment parce qu'il y a toujours ce côté, bah tu là tu vois un peu plus le côté village de Noël et tout, mélangé toujours au monde réel, au monde des humains, mais t'as un peu plus de détails sur des petites choses, sur le passé aussi, c'est assez marrant. Mais ça se laisse regarder, c'est sympa. Et le deuxième aussi, alors parce que c'est avec un grand acteur aussi à peu près de la même époque, donc c'est pour ça que j'ai choisi. C'est aussi un film de Noël, mais alors celui-ci est encore plus atypique, parce que ça s'appelle Fat Man, c'est avec Mel Gibson, et ce Père Noël-là, il envoie du bois.
Je me dis franchement, Pareil, j'ai parce vu que c'est. l'affiche, mais j'ai vu Fatman, je me suis dit Ah, non. je te le Mais j'ai recommande. pas vu les noms des persos, les noms des acteurs. J'aurais. Bah moi j'ai vu l'affiche, j'ai fait putain mais c'est Mel Gibson, j'ai fait c'est pas possible. C'est déroutant au départ. Alors je le dis sincèrement, c'est déroutant parce que c'est pas le Père Noël comme on l'entend. Le entre guillemets, c'est le Père, si le Père Noël était un être humain en fait, Ah oui, au lieu d'accord. d'être un être magique. Et c'est assez marrant parce qu'il y a en fait tu arrives pas à savoir ce qui est magique ou pas dedans. Il y a vraiment cette barrière en fait où on est toujours dans la réalité parce que c'est vraiment mélangé avec bah, le Père Noël, ce serait une entreprise quoi presque. Et il Ouais. faut pas s'attendre à un truc où c'est la magie. C'est pas un film. Disons que c'est pas le film qu'il faut claquer à ses enfants le 24 au soir. Je le déconseille. C'est un film d'action quand même. Ah oui, Hein, d'accord. c'est un peu. Je veux dire, c'est vraiment. C'est pas Rambo, mais on est un peu là, quoi. Je veux dire, on vient pas pour se marrer. Le Père Noël à la fin, c'est pas le Père Noël que tu t'attends. Ouais. Donc je spoilerai pas, je te laisse la surprise vu que tu l'as pas vu en plus, donc je pense que beaucoup de gens l'ont peut-être pas vu, mais je vous avoue que je le recommande parce que vous allez passer un bon moment, c'est pas un film de Noël standard, et c'est ce que je trouvais cool justement l'idée de base, c'est pour ça que quand j'ai vu le titre, j'ai vu Mel Gibson, je me suis fait putain, mais il faut que je vois ça. Et bah franchement j'ai passé un agréable moment et ça valait vraiment le détour parce que c'est pas les films de Noël qu'on nous vend tous les ans avec les trucs gnangnan, avec la romance, tu vois. Non, là, le Père Noël, c'est un peu le Rick de Wish avec sa femme, la mère Noël, c'est Michonne de Wish. Mais ça fonctionne et bah, t'es capté par le truc. Parce que c'est vrai que j'ai pas parlé en gros de l'histoire de Synosis. En fait, c'est un gosse de riche qui a toujours ce qu'il veut, quitte à faire de mauvaises choses pour les avoir. Et là, cette année-là, le Père Noël lui a offert du charbon. Et c'est là où je disais justement, t'as un côté magique, mais tu sais pas comment c'est fait. Pourquoi il y a cette magie, en fait, c'est jamais expliqué. Tu restes tout le temps entre ce côté où il y a de la magie bizarrement, parce que t'as des certains trucs liés au Père Noël, mais t'as d'autres trucs non. Parce que comment il sait, par exemple, que les enfants sont gentils ou méchants, tu vois, c'est des questions que tu te poseras Oui, ouais. dès le départ, mais qui sont jamais vraiment expliquées, quoi. On t'explique pas réellement si c'est le Père Noël comme on l'entend dans les autres films avec la magie, avec les trucs. Par exemple, puisqu'il a un traîneau qui vole et il fait le truc en une nuit, c'est vaguement dit en une phrase, mais tu sais pas. En fait, tu sais rien de tout ça. En fait, on s'en fout un peu, ça tourne pas autour de ça l'histoire. Et donc cet enfant, comme il reçoit un bout de charbon, bah, il veut la peau du Père Noël. D'accord. Donc il engage en gros un tueur pour faire le travail. Ok. Et je vous laisse découvrir tout ça parce que y a pas mal de petites histoires à côté de ça, justement, qui sont assez sympas, que ce soit autour du tueur, du gamin, du Père Noël et de ce qu'il y a autour. Et franchement, ouais, c'est un bon divertissement. Voilà, c'était ma dernière reco. Je préfère recommander ça qu'un truc qu'on avait recommandé en début d'année. C'est vrai. Deux petits films de Noël qui restent dans l'esprit de l'époque où on est. Voilà, j'ai envie de dire, passez de bonnes fêtes hein, sur ce. Je pense que c'est le moment de se lâcher, Monsieur Butters. À moins que tu avais une Non, petite dernière chose à j'ai nous des dire. trucs à dire, ouais. J'ai un carton Ok. rouge à donner Oui. à MiYoYo, Ah, justement. merci. J'ai cru que c'était pour moi. J'allais dire, j'ai rien fait, j'étais pas là, j'ai pas ta clé. Non, justement, un gros carton rouge à MiYoYo. En Oui. fait, la petite histoire, c'est que il y a une personne qui s'est fait hacker son compte. Ah oui, j'ai entendu parler de cette histoire. Le mec a dit à MiYoYo, bonjour, voilà, je me suis fait hacker mon compte. Est-ce que vous pouvez me le redonner, machin et tout ça, parce que c'est pas gentil. MiYoYo ont été voir le compte. Et c'est là que le carton rouge arrive dans leur gueule parce qu'ils ont dit, bah on va pas vous le rendre parce que le mec qui vous a pris votre compte. Il a mis plus d'argent que vous et ce serait pas gentil pour lui. Je l'avais vu ce truc. Donc, Ouais, je suis tellement d'accord. Le mec il te pique ton compte et il met plus d'argent dessus, la donc c'est son compte. Mais moulaga, c'est quoi? Attends, il n'y a pas comme un problème. les C'est mecs, moi qui ai créé le compte. Le mec il m'a hacké mon c'est compte. ça. Il m'a volé mon compte. Il m'a piqué mes personnages, machin. Ouais, mais là, il a mis plus d'argent que vous. Bah moi, j'ai envie de dire, bah non.
C'est pas Ah bah gentil, c'est moi j'ai dingue, envie hein. de dire. C'est tout ça pour pas perdre le mec qui a acquis parce qu'il a mis plus de thunes et qui continuera à en mettre. Bah Alors que ouais. le mec, lui, il a mis ses thunes et va te faire voir, quoi. Alors que le mec peut. Pourquoi tu crées un compte, tu mets ta thune et puis voilà. Mais peut-être le mec, comme il était en retard, il a commencé le jeu trop tard par rapport au portail et tout ça, il a piqué le compte du mec. Ouais, non, mais c'est dégueulasse. Je suis d'accord avec Et toi, ça c'est mérite un dégueulasse. carton rouge et... Et donc j'ai des annonces à faire. Allez, vas-y, Des annonces qui on vont nous surprend demain. régaler. On t'a perdu. Ils vont nous régaler. Ah, merci. Ah, qui va nous régaler? Des annonces Ah, qui vas-y, vont on nous t'écoute. régaler à donf. Donc l'année prochaine, c'est le retour du Marvel, du Marvel MCU Ouais. en série et en film, je crois, ou je sais plus, mais apparemment j'ai vu des annonces et Suspense. ça va arriver, il va y avoir une flopée quoi. On va avoir une flopée de séries, une Ah flopée bah ils ont pas annoncé tous les des films là, à Disney jusqu'à 2022 ou 2023, c'est ça. justement. Alors, donc l'année prochaine, série à fond de Marvel. On en a au moins deux l'année prochaine et peut-être un film. Et en plus, pareil pour l'année prochaine, Star Wars, flopée de série. Ouais, il y a enfin Obi-Wan Kenobi. Je crois que pareil, il y en a peut-être deux l'année prochaine. Il y a un nouveau film de Rogue Squadron en plus. Il y a un film, mais il y a des films qui se sont transformés en série, du genre, au lieu de faire le Ouais, puis film. ils veulent plus investir dans une trilogie, normalement, s'ils gardent leur politique qu'ils avaient annoncée. Bah là, il devait faire le film, Obi-Wan Kenobi. Oui, c'est. Et bah Ouais, mais ça fait un moment qu'ils avaient annoncé que ce serait une maintenant série. ça va être une série et tout ça. Donc ça va être cool. Pour l'année prochaine, on va avoir du J'attends Marvel parce que du c'est 10 Marvel ans après le 6. et du Donc il y aura Dark Vador et Obi-Wan entre deux âges. Oui, il y aura Obi-Wan qui apparemment ce sera Ils reprennent leur Obi-Wan rôle. pendant la période où il surveille le jeune Luke. C'est ça, ouais. Ouais, Et c'est 10 ans après le 6. Dark Vador qui continue la purge des Jedi. C'est ça, ouais, non, mais moi ça m'intéresse beaucoup Ah parce que. bah oui. Ça Bah change et déjà tout il y a Dark ça, Vador, donc mais j'aime beaucoup le personnage de ce qu'ils ont fait du personnage de Anakin, de pas Anakin, de d'Obi-Wan. Obi-Wan, oui. Donc j'avoue que j'attends L'ermite et tout ça, parce que ouais, ça peut être. On va voir Luke tout petit, qui va croiser de temps en temps le vieux Ben le vieux Ben Kenobi. il sera moins vieux pour le coup. Oui, qui va croiser Ben Kenobi et ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal. Voilà. J'ai fini avec mes annonces. Ah, merci monsieur. Ah bah ça tombe bien. J'avais revu en plus le planning il y a 2 ou 3 jours en arrière. Ah bah Le moi truc aussi officiel quoi. je l'ai vu Parce qu'il n'y avait pas de date, j'ai même vu la si Obi-Wan, tout ça, ils avaient semaine annoncé un je peu. l'ai vu la semaine dernière et quand j'ai vu Donc tout c'est bientôt ça quoi. j'ai dit waouh, il faut que je le dise pendant le podcast. Non mais c'est gentil, parce que c'est vrai que j'y ai pas pensé. Et puis comme on n'a pas fait. En même temps, ça fait presque 2 heures et demie qu'on est ensemble. On est dans donc notre marge habituelle, mais comme donc on n'a pas fait l'année nos attentes prochaine pour si 2021. s'il y a des versions françaises de série l'année prochaine, ça se peut que dans celle de fin d'année, il va y avoir. J'ai découvert cette série-là cette année. Je Ouais, peut-être recommande, qu'il je y en a recommande un des films ou pas. une des séries qui ressortira, ouais. On va pouvoir faire un débrief sur ce qui s'est passé sur Star Wars et sur du Marvel MCU et l'univers de Star Wars et voir si ça nous plaît toujours autant. C'est ça. Bon, bah, monsieur, cette fois-ci, on se quitte là officiellement. Ouais. Ok. Enfin, on se quitte pour Moi, la je. vidéo, pas nous. Bah oui, On bah reste. non. Bah, non, bah, On dès que j'ai reste. fini la vidéo, je me casse, On mec. reste un duo, quoi. Ça y Enfin, on essaye est. de rester un duo. On se casse, c'est tout. C'était quoi le film que je t'ai dit tout à l'heure? Adieu les cons. Ouais, c'est ça. Albert Dupontel, sorti en 2020, voilà, c'est ça. Ouais, adieu Je me les cons. casse, mec. C'est quoi? Donc on peut retrouver C'est notre Butter sur dernière sa chaîne phrase? Twitch, Ouais. hein. Pardon. Ou Toujours sa sur. chaîne YouTube pour le voir en différé.
Sur ma chaîne YouTube, oui, Et pour puis, voir bah moi, sur ma la chaîne rediff, YouTube, quoi. hein, comme d'hab, hein, vous y êtes, hein, restez-y, abonnez-vous, voilà. Bah la même. Rejoignez-nous dans nos délires. On va essayer de proposer, on en discute en ce moment, peut-être plus de duo à Ouais, là, travers pour l'année du prochaine, on va jeu, à essayer de travers faire on ne sait plus de quoi, mais duos, c'est une plus de idée. choses ensemble, plus de tout, plus de voilà. Voilà. Plus de blabla, moins d'action. Parce que les Ah vidéos, non, c'est l'inverse. On me dit dans mon oreille bah que oui, c'est l'inverse. Moins de blabla, plus d'action. les vidéos, enfin nous on va faire plus d'action et plus de blabla. Mais Voilà. on a remarqué que nos vidéos en duo étaient plus, enfin surtout pour moi, Plus dynamique. c'était plus mieux que quand je suis tout seul, donc. Et puis on leur souhaite de bonnes fêtes et une bonne fin d'année, et puis une bonne année 2021 tant qu'on y est. Oui, en Vu que je espérant. vais poster la vidéo, je pense, moi je vais poster l'épisode entre les deux, En entre espérant la semaine du 25 et du 31, donc que le je pense que ce sera raccord. Covid se soit fini. Voilà. En espérant du meilleur pour 2021, ouais, vis-à-vis de la pandémie, bah, vis-à-vis du cinéma, du jeu vidéo, de la littérature, de toute la culture. En espérant que ça tout réouvre et qu'on retrouve tout. C'est ça. Qu'on puisse aller voir Kaamelott. C'est ça aussi, ouais, parce que ça a été repoussé à nouveau, malheureusement. Bah oui. On n'a pas pu le mettre dans notre top 2020. Allez, monsieur Butter, je vous dis merci, je Donc vous dis à la voilà. prochaine. Ciao, ciao, ciao Ciao. les amis. Prenez soin de vous.